Bonjour. Ça va bien? Bonjour Joseph. On a passé une journée très longue. Bonjour Arthur, comment vas-tu? Ça va bien. Bonjour. Bonjour le stream. Bonjour le stream, comment allez-vous? Ah, c'est un début de week-end, forcément tout le monde va bien. Alors ensuite, un impératif, deuxième impératif. Ah oui, impératif. Pour les gens qui veulent voir mes chaussettes. Aujourd'hui, on a nouveau modèle de chaussettes. Motif floral. C'est qu'un jour, on va t'en envoyer. Vous voyez, pour envoyer des chaussettes, hein, vous avez l'adresse de la Fabrique Auto sur le site internet. Ah non. Y a pas de... Mais des chaussettes fun, par c'est contre. Moi qui vais chercher les colis après. Je fais du 45. C'est, voilà. Bah, c'est l'échelle. Oui. Enfin, tout n'est pas échelle. Oui. Des trucs plus petits que d'autres. Voilà. Comment allez-vous? Il fait froid. On a reçu un colis aujourd'hui. Ah oui, il faut qu'on vous parle de ça. Vous Attendez. Avez peut-être vu nos stories. Sur Instagram. On a un fournisseur hollandais qui a pété une pile sur les colis. Combien de colis, à peu près à ce rythme-là, on devrait recevoir des comme ça? Alors là, vu le nombre d'unités de trucs que j'ai commandés, en vrai, on va en recevoir beaucoup, je pense. une petite trentaine, je pense. Oh bah bon. Ouais, parce que c'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi nos stories ou ceux qui n'ont pas suivi nos stories, on va vous expliquer un petit peu. On a reçu une toute petite pièce qui est une pièce d'usinage. En fait, la taille d'un ongle. Ça s'appelle une plaquette. Et c'est pour usiner des métaux. C'est tout petit comme machin. Ouais, et on a reçu ça dans un carton qui fait la taille d'une feuille A3 par 10 cm d'épaisseur. Quoi. Au bas mot. Ouais, sûr. Dans un gros carton. Quoi. Et on se demandait, mais qu'est-ce que et ça on peut dit, être putain, ils ont pété un plomb, c'est tout léger et tout ça. On ouvre, on voit le tout petit Attends. Truc à la con. On ouvre et on va avoir la même surprise, je pense, vu le poids et du là, colis. On a reçu un autre colis, là, juste quelques... Allez-y. Juste avant le stream. Vraiment, juste surprise. Avant le stream, voilà. Je vous laisse ouvrir, monsieur Moreau, parce que vraiment, c'est... Il est très léger, déjà. C'est douloureux en pour en termes de taille, voilà, ça fait la taille de ma tête. À peu non. près. Non, je vois encore tes oreilles. Ok. Et ma tête sans les oreilles. Alors, ça, bon... Soit... Donc qu'on se mette d'accord sur l'échelle. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Le monde est niqué. Voilà, rouler en V8. En vrai, et oui. Prenez des V8, des V10, des V12 biturbo, sans aucune honte. Alors, parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à branler. Hein. Alors, le pire... Attends, le pire, le pire. Le mec qui a fait ce carton, il vient bosser en vélo, je suis sûr. C'est un Hollandais et le gars il vient bosser en vélo. Ah bonjour, c'est l'écologie, je viens travailler en vélo. Et il te fait des cartons patasses, il remplit un semi-remorque pour une commande. Si je peux me permettre, il y a 2-3 personnes qui m'ont répondu, enfin qui nous ont répondu sur les MP et certains ont dit c'est pour pas perdre le colis. Faut trouver une autre solution là, vraiment. Ouais, ouais. Vraiment, faut trouver une autre solution. Mais, vraiment, la poste ça fonctionne à peu près, tu vois. T'imagines à peu Attends, près. Ils en envoient combien par jour des colis comme je ça. Je ne sais pas, mais ça doit être considérable. C'est la quantité de carton. Si on enlève le truc de l'emballage, dans la vérité, c'est juste ça. Attends, je vais mettre un fond qui contraste. Ah, il faut mettre du blanc. Voilà. Vous voyez mon doigt à côté. Ça fait la taille, la demi-taille de mon doigt. Foutage de gueule. Le monde est mort. Le monde est mort. Je roulerai avec mon V8 sans complexe. Ah ben là, mais carrément, la prochaine, si à un moment il y a quelqu'un un peu écologiste qui vient nous voir, on lui raconte ça. On lui dit, vous gourrez de combat, c'est pas nous qu'il faut venir taper. Hein. Alors oui, il y en a d'autres qui nous disent encore que c'est pour pas perdre les colis, mais pas une bonne raison. Trouver une autre solution, vraiment, c'est pas possible. Une lettre suivie, ça fonctionne, et c'est beaucoup plus petit. On aurait pu même prendre une carte postale suivie, tellement que l'autre plaquette était petite. Pour une fois qu'on fait la pub de la Poste, qu'on fait la promo de la Poste. Alors on fait pas vraiment la promo de la Poste. Ouais, parce qu'on est allé déposer des colis à la Poste et en vrai c'est chiant. Bah c'est pareil, ils devaient nous livrer normalement un colis hier, oui. Ils l'ont déposé genre à 500 mais non, mètres. Mais, bah attends, il y a eu hier où on était au garage toute la journée. Et on a du monde au garage toute la journée. Oui. Et on reçoit un message à 15h
Suite à votre absence, nous avons déposé ça dans un relais colis à côté. On est là jusqu'à Obamo, minuit, tous les soirs. On ne pouvait pas dire ça. Le relais colis, il est à 500 mètres. Et vraiment, le mec, il est passé devant chez nous, il a fait... Ah non, fait chier. Et ce matin, d'ailleurs, on rentre dans le garage, on va prendre notre café et tout ça. Ils ont posé le colis. Il n'a même pas sonné. Il y a JB, notre stagiaire, qui sort pour fumer une clope et qui fait... Mais il n'y avait pas les colis devant, là. Ils ont popé. Et voilà, il y a des colis qui ont popé. Il y avait quoi ? Il y a 1500 balles de matos qui étaient posées genre devant le garage. À l'extérieur. Pas un seul avis de passage, rien. Le portail ouvert, posé à l'extérieur. Voilà, quoi. Vanish. Pas vanish, apparish. Mais vraiment... Alan Parrish. Dans Jumanji. Ouais. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Enfin, ce soir, Monsieur Moreau, on va essayer ce coup-là de ne pas faire 4 heures comme la dernière fois, parce qu'on a tous vu qu'on était un peu fatigués à la fin. On a revu le stream. Ouais. Vraiment, c'était deux zombies à la fin. Pardon. Bonjour Anthony, Didier Soufflette, comme on l'appelle. On a retrouvé celui qui nous avait donné l'astuce de la soufflette. Alors effectivement, on voulait l'inviter à manger un McDo. Bon, il habite au Québec. Ça va être compliqué. C'est un peu chouin. Il habite dans une ville qui s'appelle McMasterville. À quel moment c'est la méga classe? C'est vraiment... Mais par contre, je crois qu'il va recevoir un petit colis. Anthony, si tu es là, tu vas recevoir un petit colis. Ah, ça met un peu de temps. C'est le Canada, hein, c'est voilà, déjà, il faut qu'on trouve le code de douane de qu'est-ce que c'est comme produit. Peut-être ça ne peut même pas voyager en avion. Ça. Bon. Un Boeing 747 explose à cause d'une pâte à rôder. Elle aura cassé les couilles à tout le monde, cette pâte à rôder. Alors, et Anthony, j'espère bien que cette pâte à rôder te cassera les couilles. T'en sers vraiment pas, hein, s'il te plaît. Ouais, vraiment, t'en sers pas, c'est une mauvaise idée. On en a reçu une. Alors, par rapport à l'ancien stream, on a recommandé, du coup, pâte à rôder et un rodoir. On a un rodoir du futur, maintenant. Alors, c'est un rodoir à ventouse et tout ça, mais... On n'a pas trouvé le rodoir à aimant, d'ailleurs. Il fonctionne de ouf. On n'a pas trouvé le rodoir à aimant. Si la personne est dans les commentaires, voilà. Envoie-le-nous en MP sur Insta. On sera ravis de regarder. Oui, parce que sur le chat, on voit pas tout. On aurait peut-être remarqué qu'on a du mal à tout lire. Alors, Monsieur Moreau... Et on a de la pâte à rôder du futur. Qu'allons-nous faire aujourd'hui sur cette belle auto? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, petit M&M. C'est pas un placement produit, vous en faites pas. Bah, j'aimerais bien. En vrai, M&M, vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez nous envoyer un semi-remorque, ça durera 2 jours à peu près au garage. Puis la conso des M&M de Monsieur Arthur. Ouais, ça durera 2 jours, un semi-remorque. Bref, nous, on va travailler là-dessus. Vas-y, donc rapproche-toi, je vais te mettre sur la bonne caméra pour qu'il puisse le voir. Ça y est, regarde. Alors, deuxième caméra. On va travailler là-dessus. Alors, c'est un moteur à l'envers. Dans la voiture, il est dans le sens. À l'envers. Attends. C'est pas une bonne idée pour les streams, les M&M's. Non, sans deck. Donc. Attendez, il est en train de tourner le moteur. Il bouge la caméra, évidemment. Moi, je suis ouvert à toutes les critiques après quand je suis mauvais en mécanique. Hein. La scène est fantastique. Voilà. Bah, quand on dit le moteur tourne. Bref. Donc le voilà revenu dans le sens conventionnel. Ce moteur-là, vous en avez déjà vu un mercredi dernier. C'est un Volvo B20, donc 2 litres. A priori, il aurait été refait. Avant de le jeter dans cette voiture-là, eh bien, on va vérifier si il est en bonne santé. Donc, on va enlever le carter d'huile, on va regarder les coussinets de Biel et de Villebrequin. Pas la chaîne YouTube. On va changer... Tu sais que t'as détruit la vanne qu'on allait avoir dans le chat. Ouais, j'ai pré-shot, désolé. Du coup, on va changer le joint spi aussi, on va voir la distri. On va changer le joint spi de devant et on va changer le joint spi de derrière. Peut-être pas en stream parce que là, il est planqué au niveau du support. Ce sera peut-être chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il faut lui changer le collecteur d'admission. Et puis, il y a l'allumeur à refaire. Et après, en vrai, il y a les carbus, il y a machin. Il y a plein de trucs parce que le but, c'est qu'à la fin de ce week-end, donc dimanche soir ou lundi matin. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, souvent, quand on donne une date comme ça, c'est plutôt le lundi matin. Voilà.
Il faut que la bagnole, en fait, remonte sur la remorque pour ensuite repartir chez elle vers Nantes. S'il y a des gens qui nous suivent sur ce live depuis Nantes, félicitations, vous venez de la meilleure ville du monde. Je rentrerai pas dans le débat. Oui, parce que tu es parisien, donc tu n'as rien à dire. Voilà. Et donc, cette voiture-là, c'est une Volvo. Parce qu'en voiture, comme en cuisine... Rien de Volvo. Voilà. Ou alors, c'est un vol à l'achat et un veau à l'usage. J'ai une petite surprise pour toi, Arthur, d'ailleurs. Quelle année ? 70. Ah, c'est une Volvo de 70 ? 70. Les premières, donc c'est une Volvo de la série 140, donc 66, milieu 66, les premières. Ça a été la première Volvo à passer le million d'exemplaires. Ah oui. Wesh. Vendue pendant combien de temps ? De 66 à 74. Yep, 66 alors, à 74. J'ai une petite surprise pour vous, monsieur Moreau. Parce que vous trouviez que je ne bricole pas assez. Et vous savez que je suis des fois un petit peu maladroit. J'ai acheté une paire de gants. Mais... Attendez. Vous savez que j'aime beaucoup mon téléphone aussi. C'est des mitaines. Donc je peux scroller et continuer à tout regarder tout en étant en toute protection. Sauf des bouts de doigts. Est-ce que c'est le plus important, le bout des doigts? Pour deux, trois trucs, oui. Oui, oui, pour deux, trois trucs, c'est le plus important. Bref. Et si on commençait à bricoler? Shall we move on? Alors, je vous mets, comme d'habitude, la musique. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez fort. Moi, je suis trop fort. Voilà. Juste après, je vais me prendre le moteur sur les genoux. Alors, si on peut éviter, Arthur, de se prendre un moteur dessus. Voilà. Imaginons notre assureur nous regarde. Ah ben, monsieur Dion, tiens. Si tout notre assureur nous regarde, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Eh ben... Non, eh ben, plein de trucs qui peuvent pas se dire en stream. Non, voilà. Attends, je vais t'aider à dévisser. Parce que j'ai des gants de protection. C'est du combien? Alors, chose assez amusante, les moteurs Volvo sont en impérial, sont en dimension impériale, donc c'est du 1,5. Et là, j'ai pas d'impérial. Oui, bah ça se démonte avec du 13 aussi. Ok, alors, 13. Pour ceux qui disent, c'est pas exactement pareil, alors quand on fait le calcul, un pouce, c'est 25,4 mm, ou 2 mm 54. Donc quand on fait un demi-pouce, en fait, ça fait 12,7 mm, c'est à peu près du 13. Voilà. Bien évidemment, on bosse dans l'à peu près ici. Alors regardez, je bosse avec Joseph, donc je suis obligé d'être dans l'à peu près. Joseph est un à peu près. Je n'ai pas vraiment... Vas-y, pour rien vas-y, dire. Répartie. Allez, vas-y, sors-moi ta plus belle répartie, là. Là, c'est pas une question de répartie, c'est une question d'honnêteté, monsieur, à ce niveau-là. Oh, attendez, eh. La vache, c'est pas le crayon le plus taillé de la trousse. Hein, là. Et regarde, je vais deux fois plus vite. Ah ouais, ouais, bah le jour où on écrit ton QI sur du papier, on va pas gâcher des mines. Hein. On peut le faire sur un timbre, monsieur. Faut peut-être changer, mettre cette caméra-là, non? Parce que là, ah, vous voulez... Ah bah oui là, on est attendez, avec des zooms, là. Vous puissiez voir quand même de près. Hop là. Il y a tout le monde qui est en train de se... Pardon. Je sais pas, c'est peut-être plus mieux s'il voit en grand, non? Eh bah attendez, on a encore un autre angle. Et hop là, dans l'autre sens. Ah là, on est dans la réalité, là. Là, t'envoies du John Williams et puis ça y est, on va se battre contre un Kraken. Là, on fait un truc un peu épique. Hop là, je vous ai entendu pour la musique, merci. Dites-moi si ça va toujours. Moi, ça va bien. Tiens, mais c'est déjà dévissé, j'ai l'impression. Oui, bah oui. Alors là, on innove encore plus vis-à-vis du rapport au propriétaire. Alors, j'ai pas dit que j'avais des rapports avec le propriétaire. Quoi ? Ah bah, comme tu veux, ça. C'est surtout que le propriétaire est derrière les caméras, en train de se foutre de notre gueule, probablement. C'est-à-dire que je peux pas faire n'importe quoi, ce coup-là. Bah, ça n'empêchera pas de faire n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu notre dernier TikTok. Ça y est, on est à ce stade-là. On est. Vous avez vu notre dernier TikTok? Vous le verrez sur Instagram dans quelques temps. Ça implique un airbag. C'est un accident. C'était un accident. Un banal accident en trapèze. En tout cas, les airbags, c'est très marrant quand ça pète. Voilà. Hein, non, bah, le faites pas chez vous, par contre, vraiment. Si. Joseph, qu'est-ce que tu viens de donner comme conseil? La fabrique auto ne pourra pas être engagée dans cette... oui, là, non, s'il vous plaît. Non, en vrai, faites pas les cons avec, parce que vraiment, c'est pas une bonne idée. Alors, si ça s'appelle dispositif pyrotechnique, c'est pas pour rien. Oh,
C'est comme les mages dans World of Warcraft. Non, bah. Tu sais, tu faisais. C'était. T'es en train de pyro, donner tellement d'idées. Pomme, pyro. T'as, non, t'es en train de donner plein d'idées. Non, il manque une vis. Hop là. Petite vis. Donc vraiment, là, la fabrique auto ne saurait être engagée dans. Des trucs que dit Joseph, quoi. Hop là. Ouh, c'est beau. Il y a un petit peu à manger au fond. Attends, t'as le reste, retour, si tu veux. Ouais, comme ça, c'est mieux. Hop là. Et grâce à mes nouveaux gants, je peux regarder les messages en même temps. Je savais pas que ça existait des mitaines de bricolage. Je comprends pas tout à fait, effectivement, le principe. Mais je trouve ça vachement bien. Oui, il y a plein de choses qui comprennent. C'est pas, du mais... caramel. Non, non, au fond du moteur, ça va. Ça et va. Alors, en vrai, si tu fous ce qu'il y a là-dedans dans une gaufre, tu vas passer un très mauvais moment. Je sais pas, on demandera à Joseph d'essayer. Non. Dites-nous dans le chat si vous avez, si vous voulez voir Joseph qui essaye. Oh non. Oh non, je vais être encore obligé de le faire. Mais ouais, après je vais... Tiens, oh, attends, faut que je range les outils, parce que Arthur, il va... Ah oui, les outils. Arthur, il va gueuler si on oui. range pas les outils. Putain, il y a plein de vis, hein, quand même. Hein. Un peu comme dans ta vie, de manière générale, il y a plein de vis. Elles vont toutes la même taille ou pas, là-dedans? Oui. Ok. Bon, bah, ici, on a un vilebrequin. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Vilebrequin. Alors aujourd'hui, on va péter dans une voiture et... Ça, c'est super drôle. Et à la fin, elle est pétée. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on travaille avec eux, on commence à les connaître. Voilà, voilà. Alors, il y a une question qui vient de popper. Est-ce qu'il a été... Est-ce qu'il a tourné depuis qu'il a été refait? A priori, oui. Interrogation propriétaire. Il fait non de la tête. Non. Donc il a été refait et il n'a pas tourné. Enfin, à part sur le support moteur quand on le... Attendez, bougez pas. Attends, j'ai tourné. Comme... Allez, okay, salut, bonne journée. Ok, c'est pas une blague de qualité, hein, c'est vraiment... Oui, bah écoutez. Hein. Si vous voulez des lives où on est en forme, c'est des lives à 14h, tu vois. Faut qu'on les attaque plus tôt, ouais. De quoi, les lives? Bah si, non, si vous voulez qu'on soit en forme, mais en vrai, il y a trois personnes qui vont regarder. Et nous, comme on fait ça pour l'argent, on fait ça... Ah. On fait ça à des moments où les gens vont nous regarder. Donc, ça, c'est la pompe à huile, là. Attendez, bougez pas, je vous mets en grand. Moi, je ne suis absolument pas pédagogique. Alors, monsieur Moreau, je regarde, montrez-moi la pompe ici, à huile. C'est pas une trépine, ça? Oui. Et la crépine fait partie de la pompe à huile. Voilà. Merci, Joseph. Je suis un étudiant assidu, monsieur. Assidu à supporter. Et à cerner, mais ça... Donc là, on a la crépine qui est effectivement une espèce de saladier pour éviter qu'il y ait des trop gros morceaux qui aillent dans la pompe à huile. Parce que la pompe à huile, il y a des engrenages. Est-ce qu'on se chauffe à l'ouvrir? En vrai, j'ai la flemme. Alors ça dépend, est-ce qu'il y a techniquement besoin de le faire? Bah, c'est-à-dire que si la pompe à huile ne marche pas, on ruine le moteur. Je crois que ça répond à peu près à la question. Je sais pas, le propriétaire est derrière, il est en train de en train de flipper, il a les fesses qui font bravo. Mais ils vont ouvrir la pompe à huile quand même. Le propriétaire a l'air plutôt chaud qu'on l'ouvre. Bon, le propriétaire ou la pompe à huile? Je sais pas comment je peux rebondir là-dessus, ouais. De manière correcte. C'est marrant, c'est comme dans Vilebrequin. Dans Vilebrequin, notre objectif quand on est filmé, enfin moi, mon objectif quand je suis filmé, c'est de faire marrer Alan, le preneur de son. L'ingé son Alan. Alan, si tu nous regardes, gros cœur sur toi, enfin, génial. Alan est un type incroyable. J'arrive pas à enlever le gant. Oui, tu as bien fait, tiens, chais. Et donc, mon objectif est de faire marrer Alan. Parce que, en fait, quel que soit l'endroit où on est sur site, sur le plateau, il nous entend.
C'est-à-dire qu'à un moment où tu vas pisser, tu oublies de couper ton micro, il y a Alan qui t'entend. Enfin, qui peut t'entendre. Et du coup, mon idée étant, quand tu es en train de marcher ou de faire un autre truc, c'est de raconter une grosse connerie et de faire marrer Alan. Et bah là, c'est un peu ça, il y a le propriétaire qui est derrière hors caméra, je vais essayer de raconter de la merde pour le faire marrer. Ils sont trop petits. Ah mais moi, je vais être fixé sur ses gants. Hein. Cet énorme karma, je suis si content. Ouais, c'est... Alors. Donc là, je retire la pompe à huile. La pompe à huile. Allez, allez. Donc, bonjour. Il y a des gens qui rentrent, voilà. C'est la fête au garage. C'est... Tout va bien. Ah, vas-y, fais comme chez toi. Hein. C'est sympa. C'est... On est en train de bosser ici. Hein. Donc... On a ici la pompe à huile, Donc là, on va piocher dans l'huile. Donc ce truc-là, normalement, est... Joseph, la caméra. Oui, bah, on a la caméra, monsieur. On a... Oh, regardez, voilà, vous êtes en grand. Voilà, vous êtes en grand. S'il te plaît, ça détruit un minimum mon ego. C'est terrible. Donc cette partie-là, en fait, est dans l'huile, est noyée dans l'huile ici. On a des engrenages, donc ceux qu'on verra tout à l'heure. Là, vous voyez un axe d'engrenage, un deuxième axe d'engrenage. Là, on a deux pignons. Et quand il mouline là-dedans, ça sort de la pression d'huile qui va par là, donc là on a de l'huile qui est en pression, on est aux alentours des 5 bars, ça va dans ce tuyau-là, dans ce trou-là, je ne sais pas si on le voit bien, et ensuite ça part, je ne sais pas si on le voit bien, mais là dans le filtre à huile. Joseph, on voit le filtre à huile ou pas ? Oui, voilà, regarde. Eh bien voilà, ça part dans le filtre à huile, et ensuite du filtre à huile, ça va partir dans une rampe ici qui va permettre d'alimenter en fait ici, 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 ici et ici. Donc tous les paliers de Villebrequin, ces trucs-là vont recevoir de la pression d'huile, et ensuite il y a de la pression d'huile qui va monter jusqu'au biel. Et une fois que ça arrive au biel, eh bien en fait dans les tout petits écarts qu'il y a entre les biels, donc qui sont ici, et le Villebrequin, eh bien ça va pisser de partout. C'est-à-dire que vous avez un immense gicleur à huile qui tourne, donc vous imaginez tout ce merdier-là qui part à 5500 tours minute, avec 5 barres d'huile là-dedans, c'est un foutoir là-dedans. Il y a 5 barres d'huile. Ouais, 5 barres de pression d'huile. Bah, si t'es à 5500 tours, ouais, t'as envie d'avoir 5 barres de pression d'huile, ouais. Ok. Après, chez Farine de Blé, ils considèrent que 1 bar 3, 7000 tours, ça suffit, tu vois. La voiture était pas d'accord. Ouais, ouais. Donc voilà, là, c'est la jauge à huile. Là, Ah bah attends, il faut que je le remette en grand, parce que là, personne ne va voir que c'est la jauge à huile à ce moment-là. Hop là. Ah, est-ce que là, on est sous le moteur, en fait ? Oui, là, on n'est pas en dessous, oui. Ah, pour ce... Oui. Non, attends. Tu peux pas faire tel Excalibur. Mais non, c'est dans l'autre sens. Oui, mais Arthur, lui, il peut sortir normalement du rocher l'épée. Oui, mais je ne suis pas le bon Arthur. Désolé. Non, non, c'est... Je suis un Arthur en Kaamelott. Moi, c'est... Oh ! Eh, hey ! Oh ! T'as vu, hein ? Un trait d'esprit. Mon oncle, j'ai fait un trait d'esprit. Bref, et donc là, vous avez le moteur, donc ne le mets pas dans la bouche ! Joseph, non ! Je vais le ranger là-bas. Et donc, vous voyez, quand vous tournez le moteur, il y a tout le merdier qui tourne, hein, spoiler alerte. Voilà, ça tourne. Comme la planète. Planète, ça tourne. Les anneaux de Saturne. Merci beaucoup, monsieur Moreau. Oui, oui, oui. Qui quoi à dire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme le moteur a soi-disant ou a été refait. Donc on va vérifier les coussinets qui sont derrière. Les coussinets, alors, ça a un petit nom tout poétique. Moi, je trouve ça mignon, le nom de coussinet. C'est mignon, c'est tout gentil et tout ça. On n'imagine pas, hein, c'est juste une pièce en acier. Ah, bah attends! Eh, mais attends! Et on en a un pour pouvoir montrer. Ah oui, alors pour comparer, on a donc là probablement, si le moteur a été refait, des coussinets qui vont bien, hein, qu'ont vécu une vie paisible et gentille. Et on a un autre coussinet qui vient d'une... Qu'est-ce que... Bah, un coussinet. Alors déjà, pardon, t'as tapé dans la caméra, donc là t'as 300 personnes en stream qui viennent de Bégère, là, direct sur leur WC. Ah, bad, désolé. Et ça, c'est pas du tout un coussinet, Joseph, c'est un dashpot de carbu. Waouh.
Tu me rappelles ton... Tu es propriétaire d'un atelier de restauration automobile. Bon, on fait pas vraiment de la sur restauration. Sur le dessus de la multiprise. Ils sont où, les multi... Quoi? Sur le dessus de la multiprise. Ah. Le dessus de la multiprise. Voilà. Donc, on a probablement ici des coussinets qui vont bien. Et on a un coussinet qui lui a vu la fin. Faut que tu mettes un peu en zoomé ou comme ça. Ah oui, non, on ne voit rien. Je vais vous montrer de près. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce coussinet-là? Lequel? Bah, celui que j'ai dans celui la main. Que tu montres. Alors j'ai pas. C'est un coussinet de BM 3 litres diesel. Lui n'a pas aimé ses derniers moments d'existence. Vraiment, c'est... Alors déjà, c'est un moteur qui avait 400 000 km. Et subitement, en fait, il y a eu une grosse ouverture dans le circuit d'huile. En fait, il y a eu la rupture d'une pièce qui a fait que y a toute la pression d'huile qui a pu se barrer tout d'un coup. Et donc, toute la pression d'huile a chuté. À votre souhait, monsieur Moreau. Ah, ça pue. Ah, ah c'est terrible. Et donc, toute la pression d'huile s'est enfuie. Les coussinets se sont retrouvés à frotter directement sur le vilebrequin. C'est pas fait pour. Le coussinet, il a duré 15 minutes, hein, comme ça. Puisque, en fait, pourquoi on a besoin de pression d'huile? Joseph. Monsieur Moreau. Instant sérieux. Soyons... Ah, il faut un dessin, je pense. Bah. Wow, comment je dessine ça, moi? Bah, tu fais la petite bulle entre les deux, comme ça, et y a, voilà, regardez, il y a... Attends, je vais tenter un truc. Alors, je vais tenter un dessin. Attendez, nous arrivons, allons vous faire le... C'est pas un dessin, c'est quoi? De quoi? Bah, comment on va leur expliquer? Bah, je vais tenter un dessin. Regarde, on a bien des... Oh, on a un carton. En fait, ils ont bien fait de nous envoyer les pièces dans un énorme carton. Attends, je vais prendre un autre carton. Il est en train de déchirer. Il a pas le droit de faire des proutes sur Twitch. Tous les cartons. Quoi? J'ai fait un prout. Voilà. Alors, vous l'avez pas entendu, il vient de péter. C'est normal. Drôle. Donc, monsieur Moreau arrive avec de quoi dessiner. J'en profite pour regarder vos commentaires. Farine nuit, 202 litres d'huile sur 400 mètres. Il n'y a pas la caméra, là. Ah, je vais le laisser galérer, là. Ouais. Très bien. Ça va être... Je sais pas si c'est une association ou un duel qu'on a créé avec Joseph. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, faut que tu le dessines en grand. Hein. Vu de très loin. Voilà, c'est un vilebrequin, là. Vous remarquerez par ailleurs que le vilebrequin du logo de la chaîne des deux pélos, là, il n'est pas bien dessiné. Il n'est pas bon. Ou alors si, c'est un vilebrequin d'un moteur Lampredi, parce que... Bref. Que tu veux vraiment faire partie de cette équipe-là. Ouais. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a un vilebrequin d'un 4 cylindres. C'est exactement le schéma de celui-ci. Là, vous voyez, celui-là est en point mort haut. Alors, pour rappel, le moteur, il est à l'envers. C'est un comme lui. Un point Moreau. Arthur Moreau, point Moreau. J'ai retenu la blague. C'est drôle. Donc, on a ce vilebrequin, ce piston-là, qui est en point mort haut, puisque le moteur est à l'envers, et le piston du bout, qui est au point mort haut aussi. Et donc là, ces deux-là sont en point mort bas. Monsieur point mort bas. Quoi? Non, nul. Donc là, Moreau, là, oui. Là, c'est... Mort bas, non. Bas? Bas, non, là, haut, haut, non, bas. Bah non, l'inverse. Ah oui, s'il est à l'envers, le moteur. Bah oui. Donc c'est haut, bas, haut, R1, R2, L1, et hop, t'as un char. Start, et hop, il se met, t'as un char et t'as 5 étoiles de recherche directement. Et donc, bref, j'essaye de tenter j'arrive, je ne saisis pas l'angle de caméra. Mais là, tu le poses ici et tout le monde le verra. Là, comme ça? Oui. Et je dessine dans quel sens? Face à toi. Face à moi. Et on okay. tournera le dessin. Donc, le plus si simple. On zoome. N'hésitez pas, le chat, à nous dire si vous le voyez pas bien. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est un axe de rotation de vilebrequin. On a ici le palier de vilebrequin. Donc là, le vilebrequin tourne autour de cet axe-là. Ensuite,
On a un bras de Villebrequin ici. Ah. On a un bras de Villebrequin. Et là, on a une pièce, une partie droite. Et ensuite, on redescend vers un autre palier. Là, c'est juste pour un cylindre. Là, vous avez donc palier de Villebrequin ici. Et là, dessiner, vous avez... c'est gagné. C'est vraiment pas le... Vous avez ici ce qui s'appelle un maneton de Biel. Parce que maneton, parce que c'est une manivelle. Et là, vous avez la bielle, en fait, qui arrive par là. Hop là. Hop là, voilà, magnifique, sublime. Vous avez, dans la réalité, le bloc moteur qui est par là. Et vous avez une arrivée d'huile qui se fait par ici. Donc là, on retrouve les 5 barres d'huile ici. Dans le Villebrequin, à cet endroit, vous avez un trou. Un ou plusieurs trous. Vous avez de la pression d'huile qui arrive ici, et en fait, vous avez un film d'huile qui se crée tout autour du palier de Villebrequin. Et dans la réalité, c'est là où c'est bien fait, c'est qu'en fait, il y a une petite canalisation à l'intérieur. Il y a un trou, il est percé, le Villebrequin, et ensuite, ça arrive là. Et là, il y a un perçage rond aussi. Comment ils font le trou à l'intérieur, sachant qu'un trou, on peut le faire que droit? Dans la réalité, en fait, c'est fait comme ça. Et comment ils font, Arthur? Bah, avec un forêt, là. Regarde sur le schéma. Je regarde, j'explique sur le schéma. Tu perces comme ça, là. D'accord. Ensuite, tu mets un bouchon là. Ok. Si on doit fouiller... Alors, en fait, ceux-là, ça doit être ces trous-là. Ce trou-là et ce trou-là, ils sont alignés. Donc, dans ce Villebrequin-là, c'est... Donc, tu perces par là. Et tu arrives jusqu'au bout. Donc, ton huile passe par ici. Et elle sort par là. Donc, elle fait le tour du maneton. Et ensuite... C'est là l'astuce. C'est là où c'est bien fait. C'est qu'elle fuit par là. Mais dans la vérité vraie, la forme du Villebrequin, elle est comme ça. Et donc, ça fait que ici, là, dans ce trou-là, il y a un écart qui est super faible, suffisamment faible pour autoriser une fuite, mais une fuite pas trop grosse pour garder de la pression ici. Alors, putain, c'est pas con. On a la moitié du chat qui dit qu'ils sont perdus. Perdus, poil au doigt. Désolé, attendez, est-ce que je peux proposer quelque chose? Est-ce que je peux proposer quelque chose? Vas-y, j'ai le droit de le refuser. Juste, tu me dis si le dessin est à peu près sensé. Oula. En fait, t'as une pièce là, qui tourne. T'as une autre pièce là. Oh putain, je comprends rien. Autour. Et entre les deux, on envoie de l'huile sous pression qui fait que les deux pièces ne touchent pas. C'est un zoom au niveau de la bielle. C'est un zoom au niveau de la bielle. Et donc, ça ne frotte pas. Et hop ! Voilà. On va dire ça comme ça. Non ? Ouais. De ouf. C'est hyper clair. Merci, Joseph. Alors, bref, vous allez comprendre. Je vais enlever le palier. Et vous allez capter. Enfin, vous allez capter. Vous avez intérêt. De toute façon, sinon, je vous pète la gueule. Genre, je viens chez vous et directement, molestation. Si vous comprenez pas, c'est... Il a passé une journée compliquée, s'il vous plaît. Est-ce que vous... Attendez, j'ai une question pour le chat. Est-ce que vous voyez bien où vous souhaitez, lorsqu'on a le moteur non, comme c'est ça... tout neuf. Ah bah si le moteur a été refait, j'espère. Il a pas menti, le monsieur qui a vendu le moteur. De lumière. Non, c'est genre raide neuf, le truc. Alors, je sais pas si vous voyez. Hop là, voilà. Ça, c'est un palier genre raide neuf. Le machin, il a effectivement... Il a réellement jamais démarré. Ah ouais. Plutôt bon signe. Le machin est feneux. Hein. Là, il a quasiment jamais tourné. Enfin, soit quasiment, soit réellement jamais tourné. Donc, vous voyez ici, là, le trou. Le fameux trou que je dessinais sur mon dessin à moi, à poil tout pourri de Joseph. Et... Ah, t'es là, Joseph. Bonjour. Bon, c'est un peu fouillis, là, mais... Vous voyez ce trou-là, là ? Je sais pas si c'est bien clair. Là, ce trou ici, en fait, dans la réalité, c'est ce trou-là. Et vous voyez, il est en biais. Attends, putain, c'est l'expérience 4D, là. Là, moi, je suis dans un autre monde. Hein. Bientôt, on va avoir de la VR, là, à ce niveau-là. Vous voyez ? Hop là ! Oh, il y a un trou ! Et en fait, là, mon tournevis,
si je le prolonge, est-ce que j'ai une tige plus grande ? C'est ce que voudraient tous les hommes, une tige plus grande, je sais bien, mais uniquement en rapport à la tige. À une tige. Tu appelles ça comme tu veux, vraiment, je... Voilà, donc voilà, Excalibur. Donc bref, et là en fait, ce trou-là communique avec un trou qui est ici au niveau du palier. Vous avez une arrivée de pression d'huile qui se fait derrière, hein, depuis le bloc jusqu'à un trou similaire là, dans le vilebrequin. Et je vais même faire cinéma immersif 4D, tout ça. Je vais démonter le palier de vilebrequin. Là, je suis un ouf, moi. Je suis un taré, je suis un malade, moi. Je bois de l'acétone tous les matins, moi. Encore une fois, à chaque fois que je force sur un truc, dans le Twitch, ils doivent m'entendre, genre... C'est vachement agréable. Le futur, 2023, c'est vraiment te connecter un soir quand tu reviens du taf pour entendre un mec qui te souffle dans les oreilles. Genre... Alors, on a Monsieur Moreau, nous avons une... Pardon, hop là, je me mets comme ça, ou je vais vous mettre le moteur et je serai en petit, ça sera encore plus pratique. On a une question, c'est... On voit donc sur Pourquoi ton destin... Pourquoi on s'est barré du CNVA, c'est ça ? Non, elle n'est pas encore... Ne l'appelle pas cette question ! Comment et l'huile rentre dans le vilebrequin ? Eh ben, par la pompe à huile. Attends. Bah oui, mais... Je reprends. Oui, mais maintenant que j'ai démonté des trucs, c'est bon. Il arrive. Clinton. Il arrive Clinton. Oscar de l'humour, 2027. C'est moi. Alors, est-ce que vous voyez... Là, c'est le futur, là. Plus le dessin. Pose un instant. Dessin, s'il vous plaît. Je t'avais dit qu'ils allaient appeler la question. Question sur le chat. Pourquoi on est parti du CNVA ? Et donc, si on appelle une question... Attends. Où est cachée la chouette non, d'or attends, le futur... Non, donc si on évoque une question, les gens nous la posent dans le chat. Non. Pourquoi on est aussi beau ? C'est vrai, ça. Pourquoi on est aussi beau ? Mais surtout, dans le chat, ne posez pas la question. Vraiment, ça nous embarrasserait, ça nous gênerait. Posez pas la question. Je regarde le chat pendant que tu continues ton explication. Alors, on a ici, pour ceux qui n'ont rien suivi, ceux qui regardaient la pub M&M's, il y a de l'huile qui est là. Le moteur est à l'envers. Pour ceux qui ont encore rien suivi. Vraiment, là, pour ceux qui ont trois quarts d'heure de retard. C'est pas un défaut, hein, c'est pas un problème. Chacun a sa vie, tout ça. Donc, il y a de l'huile qui est par là, là. Ce machin-là, là, une espèce de dégouttoir à nouilles, là. Nouilles, dans le sens les pattes, hein. Oui. Quoi ? Je suis dans mon monde. Du coup, ce truc-là est baigné dans l'huile. On a ici des petits engrenages, en fait, qui vont créer une dépression, là. Donc, on va avoir une aspiration de l'huile par là. Une montée en pression de l'huile par là, et on a de l'huile sous pression qui va sortir par cette tige-là. Cette tige qui est plantée là-dedans, là. Là-dedans. Est-ce que vous voyez là ? Là. Voilà. Ici. Dans ce trou-là, si on prolonge, si on continue ce trou-là, on arrive au filtre à huile. Donc on a de l'huile sous pression dans le filtre à huile, et l'huile est filtrée. Donc on a cette pièce-là qui filtre les gros morceaux de l'huile, et on a ensuite le filtre à huile qui filtre les plus petits morceaux de l'huile. Une fois que l'huile a été filtrée, elle repart par l'intérieur du filtre dans des canalisations qui sont creusées dans le moteur. Je ne sais pas si on en voit ici. Moi, je les vois super bien. Vous, non, mais moi, par contre, je les vois super bien. Et donc, on a des canalisations dans le moteur, et notamment des canalisations qui arrivent par derrière, là. Par derrière. Bon, je vais pas enlever le vilebrequin, c'est super chiant, mais faudra me faire confiance sur ce coup-là. Donc derrière, il y a des arrivées d'huile. Là, vous voyez, il y a une trace ici, au milieu. Eh bien, là, en fait, il y a de l'huile qui arrive par là, puisque le coussinet en face est percé. Donc on a de l'huile qui arrive ici. Comme elle arrive sous pression, eh bien, elle vient tout autour du vilebrequin,
Donc ça, c'est le palier de Villebrequin. Elle vient tout autour du Villebrequin. Et en plus de ça, je tourne le Villebrequin. Vous voyez le trou là ou pas, Joseph? Oui, oui, on voit le trou. Donc là, il y a un trou ici. Lui, il rentre dans ce trou-là et part direction ce maneton-là. Donc là, en fait, c'est qu'il y a un trou là-dedans, là, dans cette pièce-là. Et ça arrive jusqu'ici, jusque-là. L'huile sort sous pression ici. On est toujours à 5 bars de pression d'huile. Hein. Et l'huile sort sous pression ici et vient faire un tour de cette pièce-là. Et c'est très important pour la pédagogie de ponctuer. Où est mon chapeau de bielle? Bah, on n'a pas dû le poser. Il est posé jusque là. Ouais, ouais, il est là, ouais. Et en fait, vous avez donc cette pièce-là qui vient se fermer. Entre ça, cette pièce-là et là, il y a un jeu, qui est un jeu qui est non négligeable, puisque si le jeu est trop fermé, l'huile ne peut pas s'en aller. Donc là, ça monte à une pression de fou furieux. Et genre beaucoup trop de pression, et surtout ça veut dire qu'il n'y a pas assez de circulation d'huile. Et si le jeu ici est trop grand, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'huile qui se barre, et donc la pression d'huile va diminuer. Problème étant, c'est que nous, ce qui nous intéresse dans le fait d'avoir de la pression d'huile, c'est que ici, tout autour là, du maneton et du palier, ici, donc du tourillon ici, comme ça s'appelle, cette pression d'huile nous permet de faire un film d'huile, pas très épais, hein, pas bien épais. Ce qui veut dire que dans la réalité, et là on peut se la péter avec des termes ultra-scientifiques, le Villebrequin est en sustentation hydrodynamique. Rassurez, j'ai insulté la mère de personne. Hein. C'est sustentation hydrodynamique, c'est un mot un peu compliqué, je sais. Ça fait peur à des gens comme Joseph. Mais rassurez-vous, tout est normal. La sustentation hydrodynamique, ça veut dire que tant qu'il y a du mouvement d'huile, on crée un palier et le Villebrequin, en fait, est soutenu par un coussinet d'huile. Ça veut dire que tant que le Villebrequin tourne et tant qu'il y a de la pression d'huile, le Villebrequin, il touche pas, là, les coussinets. Et tant mieux. Parce que on a vu... Tiens, Joseph, tu peux me filer l'autre coussinet, s'il te plaît, pour que je finisse ma démonstration. Là, ça, c'est... un Villebrequin qui a rencontré son coussinet. Alors, les retrouvailles étaient très chaleureuses et très proches, mais destructrices. Le Villebrequin est toxique, vous savez. Alors, le Villebrequin, la pièce mécanique. Hein, rien à voir. Rien à voir, les propos ne sauraient engager la fabrique auto. Et donc, la pièce mécanique, le Villebrequin, ici, quand elle vient frotter, là, c'est fait pour se toucher, mais vraiment pas longtemps. En fait, c'est fait pour les démarrages et pour quand ça s'arrête. Par contre, une fois que ça tourne, c'est vraiment... Le Villebrequin est sur un coussin d'huile. C'est pour ces raisons-là qu'il n'y a pas trop à paniquer quand un moteur a 4 millions de kilomètres, par exemple. Mais si c'est 4 millions de kilomètres, bah, il les a fait genre, d'une traite sans jamais s'éteindre et se redémarrer. C'est-à-dire que le coussin d'huile, il n'a jamais été cassé ou interrompu. Et donc, bah, le Villebrequin, il n'a quasiment jamais rencontré ses coussinets. C'est pour ça le stop and start, c'est de la merde. Waouh, non, non. Ah bah. Non. Mécaniquement. Non. Mécaniquement, je suis navré de vous annoncer ça. Non, le stop and start, ils ont quand même un petit peu adapté quand même pour que ça fonctionne, rassure-moi. Non? Un petit peu. On met un peu de pression quelque part. Je sais pas, t'as vu la taille des cartons qui sont utilisés pour nous envoyer des tout petites pièces? Bah. Le monde est niqué, Joseph! Le monde est fini. Ok. Alors en vrai, il y a des toutes petites adaptations, mais vraiment pas grand-chose. Le stop and start, c'est pas fameux. Par contre, le stop and start a quelques avantages, bien évidemment. Hein. Je vais pas dire... mécaniquement, stop and start... Et j'ai vu, là, il y a pas longtemps, on a quelqu'un qui nous a gentiment prêté une 508. Enfin... C'est-à-dire que quelqu'un nous allait laisser une 508 sur notre parking. Quelqu'un qu'on apprécie, hein, qui est...
Il y a où il y a peut-être eu une rencontre. Comment dire ? Il y a peut-être eu une rencontre entre la remorque que j'essayais de garer et le pare-choc de la 508. Alors, pour notre défense, on ne nous laissait pas manœuvrer. Non, il n'y a pas de défense. Est-ce que vous prenez le... C'est-à-dire que quelqu'un nous a dit « Est-ce que je peux laisser ma voiture sur votre parking pendant une semaine et demie ?» Et on a fait « Bah ouais, pas de problème. Bah, je vous laisse les clés au cas où. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de la déplacer. » Quelques jours plus tard, zboum, bon, bah, je vais prendre tes clés pour l'emmener chez le carrossier de ta voiture, hein, finalement. Et donc, c'est une 508 diesel. Même quand lui, il n'est pas en température, le stop and start, il s'active. Et ça, ça fait mal, hein, à la mécanique. Hein. C'est vraiment, à froid, le moteur qui se coupe, genre le diesel qui a tourné 30 secondes et qui s'éteint tout de suite, là. Normalement, sur le stop and start. Non, mais ça le fait pas quand c'est froid. Normalement, oui. C'est ce que je pensais aussi. Là, le moteur, il s'est vachement coupé quand même. Hein. D'accord. Et je sais pas, ça fait quelques années que je conduis des bagnoles. J'arrive à reconnaître un moteur qui s'éteint quand même. Et même, je pense que même sans être mécanicien, on devrait être en mesure de savoir quand le moteur est éteint ou allumé, non ? Je sais pas, mais bon, bref. Donc, nous, de notre côté, on est blacklisté de chez Peugeot maintenant. Hein. S'il y a un ingé de chez Peugeot qui est dans le chat, il va nous défoncer. Il y a un ingé de chez Peugeot dans le chat. Déjà, qu'est-ce que tu fous là ? Deuxièmement, si tu veux venir à la fabrique, pas de problème. Je suis hyper open pour discuter. Par contre, si tu peux ne pas ramener tes 15 potes qui ont bossé sur le stop and start, ça me ferait plaisir. Attends, mais pour qu'on utilise du stop and start, c'est qu'il doit quand même avoir 2-3 avantages. Autre que pour les questions de normes. Justement, des avantages en termes de normes anti-pollution. C'est juste pour ça ? Oui. Tu veux un maillet ? Faut pas se faire niquer parce qu'il y a un sens de montage. J'ai fait la connerie une fois et j'ai pas du tout d'ailleurs envie de la faire deux fois. En fait. C'est à ce moment-là qu'on dit au propriétaire qui est jusque là que ça a frotté ici ou pas ? Non, c'est Rouillax. Ça a frotté là. Non, vraiment, je crois que ça a frotté. Joseph, tu es une petite merde. Ça a frotté là. Ouf. Et puis tu peux pas venir vérifier. Ça a frotté. On va fermer le moteur avant. Et comme ça, tu gagnes deux vues du stream. Lui et l'expert. En fait, vous voyez une petite oreille là. J'arrive pas. T'étais au bon endroit en fait. Hein. Essaye de me centrer. Hop là, voilà. Vous voyez, une toute petite oreille là, un petit décroché là. Faut mettre les deux petits décrochés en face. Moi, à un moment, je l'ai juste monté dans l'autre sens. Naïvement, je me suis dit, ça aura pas d'influence. La baise, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, vous voyez, le coussinet, il se décale comme ça. Vous voyez, là, le coussinet, il est démonté. Et en fait, il se décale. Et au bout d'un moment, les deux coussinets se décalent. Et en fait, qu'ils tournent tous les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Jusqu'à un moment où ils se chevauchent. Le problème, c'est quand ils se chevauchent, le diamètre du rond, là, c'est plus très cohérent avec là. Et ça bloque le vilebrequin. J'avais un seum. Fou. J'avais les boules. Voilà, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de comment faut bien monter les chapeaux de bielle comme il faut, quoi. Voilà, il n'y a rien de plus... Pas besoin d'autres explications sur ça. Mettez-les dans le bon sens. C'est bizarre, quand tu ne montes pas dans le bon sens, ça se marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien. Alors, vous, valable pour pas mal de choses, genre les meubles Ikea. Oui, effectivement. Valable aussi. C'est-à-dire que si tu mets les trous de l'étagère face au mur, c'est pas logique. Alors, là où Volvo sont pas, c'est pas con. Attendez, bougez pas, je vous montre. En vrai, là, faut avoir des yeux de ouf. Il y a un petit 3 qui est gravé parce que je viens de démonter le truc du cylindre 3. Et de l'autre côté, il n'y a pas gravé ça. Eh bien, il y a la même chose sur la bielle pour éviter qu'on se gourre. Sympa, Volvo, merci. Petite question au propriétaire, vous aviez fait gaffe à ça ou pas ? Ah, on me dit non, alors du coup, je vais surveiller quand même. On va éviter que les paliers y tournent. Eh, hein ?
Eh bah, ben, au moins, ça aura servi à quelque chose. Que je me fasse niquer une fois. Les boules que j'ai. Je me rappelle ce Pendant jour-là. qu'Arthur est en train de regarder si c'est dans le bon ordre, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais en profiter pour regarder un peu ce qui se passe. C'est pété, pas encore. Hey, le chat GPT, ça marche ou pas? Oui, en stage de fin d'études en ce moment. Alors j'imagine que ça devait être une réponse à quelqu'un d'autre. Oui, Et peut-être j'ai pas à pas le nous. Oui, contexte. parce que là, sans contexte comme ça, c'est un peu brutal, hein, c'est. C'est pété. Non, Joseph avait combien de casquettes? Ah, j'ai plusieurs casquettes, effectivement, bien vu. Et Attends, donc là, bouge pas, je vais hop là. je sais pas si vous voyez là. Non. Hop, attendez, je vous balance Joseph se dessus. filme, il se fait son ego. Vous voyez, il y a un décroché là. Là, il n'y a pas de décroché. Et vous voyez sur. Je sais pas si vous voyez en vrai. Alors moi, je fonce, je plisse des yeux quand je vous montre pour essayer de faire la mise au point. Ça Mais ne marche toujours pas, ça Arthur. marche, ça fonctionne toujours pas. Vous voyez, là, il y a un décroché et là, il y a la marque de l'autre décroché. Ça peut servir aussi pour se rappeler. Un moyen mnémotechnique. Parce qu'on dit mnémotechnique. On ne dit pas mémotechnique, c'est mnémo qui fait appel à la mnésie. L'amnésie, c'est l'absence de mémoire, et la mnémo, c'est le truc de mémoire. La Bon. culture, c'est comme la confiture, moi, on en a, plus on l'étale. Ça marche aussi avec le parachute. De quoi? Moins on en a, plus on s'étale. Non. Effectivement, bah, c'est vrai que plus t'en as pas, tu t'étales. Quand on n'en a pas, on s'écrase. C'est ça la vanne. Ah. Alors j'essaye de trouver une autre vanne, vite, vite, vite. Ah, comment rebondir? Comment rebondir? Bah, a priori, pas quand t'as pas de parachute. Hein. Tu rebondis mal. Hein. Vous vous rappelez de quel coussinet Non, ok. On est en train de regarder donc dans quel sens les Ça se coussinets trouve, se. je vais vérifier tous les serrages. Hein. Ça vaut mieux. Ah, attendez, je vais vous 1, montrer ce que. 4, Arthur, 4. vas-y, montre à la caméra quand ça tourne. Ça, c'est quand même. Pour le faire tourner, là, t'appuies sur quoi? C'est un ventilo Là, derrière, c'est le ça? ventilateur, ouais. Sur les vieux, enfin, sur les vieux. On va pas dire que c'est vieux, ça date des années 70. La dernière fois, j'ai insulté la mère d'un client comme ça, en disant la voiture, elle est assez ancienne, elle est de 71. Et la maman derrière, oui, mais moi aussi, je suis de 71. Ah Oups! ah non, mais ça va Ouais, bah oui, hein, c'est. Ah, hein, la mécanique, c'est pas toujours délicat. Hein. Eh ben, les mécaniciens sont pas toujours délicats non plus. Ben, je vais serrer les paliers. Évidemment, il avait préparé tous les outils en avance. Bon, alors je regarde le chat. Qu'est-ce que vous me disiez de beau? Qu'est-ce que t'as fait comme Rien, connerie? j'ai rien fait, rien du tout. Incident diplomatique, oui, effectivement. Ah ouais, là. Oui, sur ça, c'était ouais, Oh complètement. bah c'est vrai que sur le moment, tu fais moins le kekos, hein, quand même. attends, est-ce que j'ai une donnée technique de B? Ah si. Je cherche des données techniques. Le couple de serrage des paliers de Villebrequin, le Alors. Volvo B20. Je ne sais pas si c'est toujours valable, mais c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, Arthur. On peut regarder sur Internet par rapport à la taille des vis, de combien il faut serrer. Non, c'était pas ça? Non, j'ai envie de roter. D'accord. Mais Mais est-ce qu'on peut voir par rapport à la taille de vis de combien il faut serrer? alors oui, là c'est de la vis en. Ça va être du 3/8. Non, c'est pas du 3/8, c'est un autre truc. Enfin bref, c'est de la vis en impériale, ça, t'es Oh, chiant. attendez, on va pouvoir sortir l'outil? Je ne sais pas de quel. Présentement, je ne sais pas de quel outil il veut parler. Où est la Donc. clé dynamométrique? Ah, Oui, bah oui, Il est content de sortir une clé dynamométrique. je Alors. l'adore cette clé. Vraiment, Alors, c'est la mienne, perso. À la fin. Possession fait propriété. C'est dans le garage, ça appartient au garage. La vraie. Mais combien? Vas-y. Alors, on vous explique pour ceux qui ne connaissent pas cet outil. En fait, la clé dynamométrique, ça permet de serrer avec un couple bien précis. Que Arthur est en train de chercher actuellement. Et vous avez des petits numéros à cet endroit-là. Vous choisissez la bonne force de serrage. Vous enclenchez. Le cadrage est pas ouf sur le plan large, on voit trop le plafond. Là? Bah écoute, je.
D'accord. Eh ben, on va régler ça juste après. Vous serrez et on est parfait. Et la vraie question, et là, je vais poser ça à Monsieur Moreau. Est-ce qu'il faut la remettre à zéro une fois qu'on a fini de l'utiliser? Non, barrez-vous. Barrez-vous. C'est une question piège. Tout le monde dit ça à chaque fois, donc moi, je me pose aussi la question. Est-ce qu'on le remet à zéro une fois qu'on a fini de l'utiliser? Alors, idéalement, oui. Dans la réalité, qui le fait et qui s'en branle? Alors, moi, ça me casse les couilles quand on le fait pas, hein, par contre. Par contre, là, vous donnez une vraie définition physique de ce qu'il y a de gênant et tout ça. Il y a des gens, en fait, il y a un ressort là-dedans. Putain, on peut le visser vachement. Mais le temps pas au plus. Non, mais attends, on le dépasse pas. Bah, il y a des buts. Non, mais non. T'as dépassé la valeur maxi de la clé ou pas? Non. Ouais, mais t'as pas un. Non. J'étais juste avant. Vraiment, il y avait. Non. Vous savez que c'est ma clé perso. Ça fait 15 ans que je le laisse. Mais non, mais vraiment. Attends, ça bouge plus. Ah si, ça bouge. Tout ça va bien. Ça bouge plus, ouais. Non, mais ça, tout va bien. Vous en faites pas. Regardez. Hop là. Hop. Et on peut la remettre. Ah et à zéro, il y a une butée. Mais en vrai, mais va pas, putain. Ah, pardon. Mais pas dans les deux sens. Mais bah non. Mais putain, non. Mais si je mets à zéro dans ce sens-là, ça bouge pas le ressort. J'ai envie de pleurer. Là, intérieurement, dans moi, il pleut. Là, actuellement, c'est... Qu'est-ce tout le plus? Vous voyez envoyer d'autres outils ou pas? Vous voyez le temps qu'il fait à Brest, à peu près. Voilà, intérieurement, c'est ça. Pose la clé. Tout le monde me demande... Tiens, ouais, voilà. Pose la clé, merci. Je attendais que tu l'attendais plus. Non. Vraiment, je suis pas allé, je me suis arrêté avant. J'ai vraiment l'impression de demander aux gars de Villebrequin s'ils ont fait une connerie ou pas. Et à chaque fois, ils répondent non. Et t'as la bagnole qui a fait 16 tonneaux. Il y a une vieille en feu qui traverse la rue et il y a un bus qui est en train de voler. Et tu fais, bah les gars, vous avez fait une connerie? Ah non? Ah non, du tout, hein? Ah, pas du tout, non? Pas et du tout. Et bah Joseph, pareil, tu vois. C'est... Joseph, t'as niqué ma clé ou pas? Ah non, pas du tout, hein? T'as la clé, elle est pétée, elle fait un V, la clé. Non. C'est 122 newton-mètres. Et ben voilà, regarde, tourne, je touche pas. Le propriétaire, là, maintenant, sait qu'on est en train de resserrer son moteur avec une clé qui est complètement... Elle est pas cassée, il y a une butée dans un sens, il y a forcément une butée dans l'autre. Pour avoir essayé sur une clé qui est pas à moi, cette fois-ci, non, il n'y a pas de butée. Donc ça t'est arrivé aussi? Ah, au bout d'un moment, ça fait jbouing. Donc tu l'as fait. Ah ah! Les masques tombent! Oui, mais pas sur ma clé. La mauvaise foi de cet homme! C'est pas une mauvaise foi! C'est pas de la mauvaise foi! Donc, bref, c'est 90 livres force pieds. C'est une unité de couple. 90 livres force pieds. Ou alors 122 newton-mètres. Alors. On en parle ou pas des newton mètres? Alors, non, est-ce qu'on dit newton mètre ou des newton par mètre? Alors, on dit des newton mètres. Ah, c'est pas impossible que dans une vidéo, j'ai dit des newton par mètre. Ah, c'est toi qui t'étais trompé? De quoi? Dans la vidéo? En vrai, je l'ai dit parce que j'en ai rien à foutre. Pour moi, des newton mètres ou des newton par mètre sur la clé, je peux vous assurer que la clé, que je dise par ou pas par, la clé, elle s'en fout, hein. Pour tout la clé, elle subit plus dans sa vie quand on la tend trop plutôt que quand on dit newton mètre ou newton par mètre. Pour tous les physiciens qui nous regardent, on est navrés. Elle fonctionne encore, ça clique. Attends, j'essaye de trouver un exemple. J'ai fait bugger le Arthur. Et non, je suis en train de trouver un exemple. Pour l'instant, j'ai un exemple avec le Titanic. Si on considère le Titanic par sa capacité à embarquer des passagers, là, actuellement, présentement, il fonctionne encore, puisqu'il contient encore des passagers. Dans quel état? Ça, c'est pas spécifié, mais il contient encore des passagers. Eh bien, ma clé dynamométrique, c'est pareil. Elle fonctionne encore. Par contre, on n'a aucune idée de si elle remplit encore sa fonction complète, qui est de serrer un couple donné et précis. Je suis parti super loin. Hein. J'ai pas compris. Vraiment, c'était le Titanic, l'exemple? Ouais. Et c'est donc bah, le alors... Titanic ah, aujourd'hui. Attends, ça veut dire la clé, c'est l'iceberg, et la manière dont j'aurais desserré non, la clé, elle est cool. Avec le Titanic. Non, vraiment, mauvais jeu de mots là.
Donc là, en fait, on serre la clé. Et quand on arrive à un certain couple, donc on a réglé, je rapproche mon micro. Ça donne une pause tout à fait sexy. Oh, ça passe. C'est pour ça que Farine de Blé, il fait clic-clic quand il serre. Parce qu'en fait, il imite le bruit de la clé dynamométrique. Alors, on a une question d'ailleurs par rapport à l'utilisation de la clé dynamométrique qui vient de popper. Ouais. Est-ce que le fait d'utiliser une rallonge... Oh putain, là aussi, celle-là, elle est... C'est une question, en vrai de vrai. Quand j'ai commencé à faire de la mécanique, il y a 2 heures, je me suis posé exactement la même question. Donc, est-ce que, oui ou non, Monsieur Moreau... Attends, 2 secondes. C'est 45 livres force-pied, donc il faut faire la conversion. Voilà. Parce que en impérial, du coup, les valeurs, comme le moteur, il est tout en impérial, et bien du coup, les valeurs de coupe de serrage sont données en impérial aussi. Et donc, c'est donné en livres force-pied. C'est des valeurs vachement cohérentes, là aussi. Hein, j'ai oublié à combien j'ai... Si, 61. Donc, tu disais, Joseph, pardon. La question est, quand on utilise une rallonge dessus? Ah oui. Forcément, la rallonge, est-ce qu'elle avale pas? Faut que je mette une douille. C'est moi qui fais des bêtises après. Et il oublie encore la douille qui m'avait accusé injustement d'avoir volé. C'est pas une douille à bougie non plus. Eh oh, j'ai pas déconné. Donc, je reprends. Quand on utilise une rallonge, est-ce que ça fausse la lecture du fait de la déformation de la rallonge? Exactement. Eh bien, dans la physique, oui. Dans la réalité, on s'en bat les couilles parce que c'est complètement négligeable. Alors, ah, c'est négligeable. Attends, modulo. Ouais. La taille de la rallonge. Oh. Ouais, vas-y, on va faire... Ouais, il y a quand même... Sur une rallonge qui fait cette longueur-là... Non, c'est la 2. Non, c'est la 1. Ouais, c'est la 1. Donc sur une rallonge qui fait cette longueur-là, c'est-à-dire, ça c'est un solide 30 cm, si 30 cm, ouais, il fait froid, mais ça fait 30. Et ben ça va. Par contre... Par contre... Le setup... Enfin, le gag met un peu de temps à se développer. Quand ça même. Prend un petit peu de temps. Voilà, mais rassurez-vous, dans une demi-heure, le gag, il est hilarant. Vous êtes tous pliés de rire devant votre écran. Vous trouvez ça super drôle. Tiens. Et la douille est dessus, là. C'est une douille de 5 huitièmes. Et voilà pourquoi encadrer haut. C'était pensé depuis le début. Il est si fier de lui. Oh la vache, on dirait un enfant qui a fait un dessin en caca. Il est super fier. Vas-y, je suis prêt. Il y a un petit bouton. Ouais. Voilà. 2023. Tu peux tenir l'escabeau, ça glisse. Bienvenue dans le futur. En plus, j'ai le vertige. Donc, si tu peux tenir l'escabeau, si tu veux. Vraiment, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on imaginait les années 2000 où on avait des voitures volantes. Et bien, en fait, 2023, on est en train de regarder deux glands dans un garage. Oh, yes, j'ai vu, ça fait clic. Sur cette longueur de rallonge, effectivement, la déformation des rallonges peut-être influer. Influencer. Alors, influer sur la valeur ou influencer la valeur. Un truc comme ça, j'imagine. C'est-à-dire que là, la rallonge fait un écartement de bras de Joseph. Ça va faire 1,73,27 m. Bah bon. Tu vas ranger tout ça après, hein, bien sûr. Jamais. Ouais, bah oui, comme d'hab. Bon, tu me rends mon truc. Bah, c'est pratique. Non. Non, c'est... voilà. Alors, je fais 1,84 m, ça m'arrive là. Vas-y, mesure. Ah oui. Attends, qu'est-ce qu'il faut en plus? Ouais, attends. Ah oui, quand même, il y a un peu la technologie. Hein. Ça sert à rien hein, de mesurer ça, vraiment.
À partir de 1m60, la déformation influe. Attends, s'il te plaît, on est précis. Hein. Sinon, il y a des gens qui te cassent les noix si c'est des newtons mètres ou des newtons par mètre. Donc, Ça fait quoi en chabrier? Non, 1m60. 1m58 de rallonge. Niveau du... okay. De rallonge. Et de rallonge, parce qu'on n'a pas la douille. La douille, elle est là. Bon, ah. T'as le droit d'aller ranger les... C'est coupé. Accident de travail, c'est coupé avec un mètre. C'est 2023, là aussi. Après, ceci dit, on a besoin de gens comme toi, Joseph. Alors, il y a une vraie question, par contre, qui est posée... Comme Joseph. Une vraie question qui est posée dans le chat. À quoi, pourquoi on a autant de rallonges? Est-ce que de temps en temps, à part pour ce genre d'expérience, c'est utile d'avoir autant de rallonges? Bah déjà, il faut amuser le chat. Hein. C'est... Parce que là, le chat était mort de rire. Hein. Non, le... deuxièmement, en fait, c'est quand on travaille sur des ponts, élévateurs, hein, quand on lève les voitures, les mécaniciens n'ont pas développé une compétence surhumaine. C'est-à-dire que si vous allez, en tant que personne normale, travailler sur un pont, vraiment, à bosser les bras en l'air comme ça, c'est insupportable, et vous avez les épaules explosées, vous n'avez plus de sang dans les bras, machin, c'est chiant, quoi. Et les mécaniciens n'ont pas, genre, une pompe à sang spécifique dans les bras pour avoir du sang constamment dans les bras et pouvoir faire des journées entières avec les bras en l'air. Non, les mécaniciens, en fait, ils ont des rallonges pour aller dévisser un truc en haut et avec les bras à une hauteur normale. Et moi, étant particulièrement feignant, eh bien, j'aime bien travailler avec les bras toujours à la même hauteur. Et donc, je préfère le temps d'aller chercher pile la rallonge de la bonne longueur et travailler à la hauteur. C'est pour ça qu'on a plein de rallonges. C'est quand même rare les situations où il y a besoin d'empiler toutes les rallonges. Ouais. Si, non, dans ta BM. Oui, il y a un truc, c'est sur les BM des années 2000, donc les 36, 46, 39, tout ça. Pour aller chercher les vis de tour de boîte, il faut des méga rallonges. Il faut genre 1m40 de rallonge. Je crois qu'à la base, on les avait pris pour ça, d'ailleurs. Oui. Mmh. Il n'est pas impossible que quand on a la première bagnole sur laquelle on a travaillé à la fabrique, c'est ma voiture. Vous savez, les cordonniers mal chaussés, tout ça, j'ai pété. Ils ne l'entendent pas dans le micro, tu n'es pas obligé de, oui, de les informer du fait. Bah si, un jour, on aura des streams avec de l'odorama. Désolé. Navré. Donc là, on est en train de tout serrer au couple. On ne devait pas normalement juste réparer le joint. Changer le joint. On répare pas un joint, on le change. Hein, ça. Oui. Oui. Mais moi, je vous ai mis un petit bout de scotch. Ouais. Une petite boulette de pâte à joint. Tu fais cautériser le joint, tu mets un petit pansement et... Il y a des belles couleurs, t'as vu, hein. Mmh. C'est quand même vachement moins drôle de le faire avec une petite rallonge. Comme quoi, la taille, ça importe. De la rallonge. Bien évidemment. Rallonge. Bien évidemment. Donc tu dis, la taille, ça importe et tu roules en Ford Raptor, c'est ça? Ouais. J'ai des complexes, monsieur. On avait en vrai, dit qu'on ouvrait la pompe à huile. Alors là, subitement, là, je suis pris d'une énorme flemme d'ouvrir une pompe à huile. Est-ce que dans le chat, vous avez envie de voir l'intérieur d'une pompe à huile? Allez, dans le chat, on vous laisse 5 minutes pour répondre à la question. 5 minutes que... c'est... Bah, en fait, il y a un petit décalage, je pense, si. Ah oui. Pour les pauvres. Est-ce que oui pour ou les non pauvres, les pauvres, bah, non, les pauvres, de devoir avoir le décalage. Ah oui. Oui. Bah, c'est pas 5 minutes, c'est beaucoup moins. Sachant que la pompe à huile, donc, c'est... Oh! Ocarina of Time, écoutez, le temple du. On dirait. Boléro du feu. Mais oui! J'ai mis ma bouche dessus. Oui. Oui, oui. Oh, je me saoule tout seul. Oui. Ah, c'est gras en plus. Oh, sans déconner, un truc qui est trempé dans l'huile, c'est gras. Oh, c'est vache! C'est dingue! Tu vois, si j'avais mes gants. Bon, non, avec. Oui, oui, si t'avais les gants, effectivement, t'aurais pas mis une pompe à huile dans ta bouche. J'ai du mal à voir la logique, mais écoute, si t'y crois, Joseph. Tout a du sens. L'important, Joseph, c'est que toi, tu y crois.
Bon, apparemment, vous êtes plutôt chaud pour qu'on ouvre la pompe à huile, donc... Ouais. Pardon ? C'est vrai ? Oui. Ah oui. Je veux des preuves. Vas-y. Ouvrez-la. Je pense qu'il parle de la boîte à huile. Pardon. Oui, oui, oui. Si t'as la flemme, tant pis. Ça, c'est message de désespoir. Ça, c'est hyper gentil. Ouais. Ah non, vraiment, je veux pas t'embêter, mais fais-le quand même. Ouvre, démonte la crépine pour voir si elle a été ouverte. Parce que si on l'ouvre, on peut voir si ça a été ouvert. Bah, sachant que je viens de l'ouvrir, effectivement, on a la confirmation que ça a été ouvert, puisque je viens de le faire. C'est un peu comme Schrödinger avec le chat. Bah, du coup, on casse le paradigme, là. Ok. Oui, 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 pour le stream, oui. Là, c'est quelqu'un qui était très... On ouvre la pompe à huile, en majuscule. Allez, attends, faut préparer la vignette pour la chaîne YouTube. On ouvre la pompe à huile. Alors, peut-être prendre la caméra numéro 3, à ce moment-là, qu'on va rapprocher. Alors... Donc, est-ce que tu veux lire le chat pendant que j'installe la caméra, ou est-ce que tu installes la caméra ? Ok. Il est devenu indépendant ! Voilà. C'est bon ? Attention, bougez pas, je vais vérifier d'abord si on peut vous balancer sur la numéro 3. Est-ce que c'est pas mal, là ? Attendez, bougez pas. Hop là, Arthur, prêt, caméra 3, c'est parti. C'est un chien. J'ai pas compris le principe des ombres chinoises, mais bon, bref. Oui, il n'y a pas qu'avec toi que c'est dur de travailler. Mon chiffon. Joseph, où est passé mon chiffon ? Merci. Alors. Ouvre la crépine. Oui. Est-ce que si on peut décaler ce... juste un poil ? Ah bah tu fais ce que tu veux, c'est... Droite. Droite, bougez pas, je vous secoue juste un peu. C'est bizarre la phrase. Hors stream, faut pas répéter la phrase. Hein. Parfait. Top là. Attention. 3, 2, 1. Ouverture. Oh, y a rien. Y a un peu de caca dedans. Donc elle a peut-être pas été ouverte. Probablement aussi. Trace de démontage. Bah, elle a l'air... Alors, sur l'image, on verra si le chat est d'accord avec nous, elle a l'air plutôt propre. Bah, à l'intérieur, mais là c'est juste un... Ça c'est un truc vide, hein. Enfin, c'est normal que ce soit vide. Là, on n'est pas en train de tomber des nues en disant putain, mais pourquoi il y a rien dedans là, dis donc. Trois. Quatre. Voilà. Ça va, vous, sinon ça... Ça se passe bien. Est-ce qu'il y a de la musique sur le chat ? Elle est bien, la musique ? Ah ouais, tiens, c'est une bonne question. J'ai rajouté des musiques depuis la dernière fois sur la petite playlist. Je suis très, très mauvais. Hein. Vraiment, m'invitez pas aux soirées pour pouvoir choisir la musique. C'est vraiment le pas DJ le... Le DJ envie de pied, c'est Joseph. Merci, voilà. Monsieur Barrault. Alors, si vous voulez, voilà, les playlists qu'il écoute dans sa voiture, c'est BFM. Hein. Même pas. C'est France Info. France monsieur. Info et BFM. Mais voilà. Maintenant, c'est presque que France Info, monsieur. Alors, les trajets sont longs. Et non, comment s'appelle TSF Jazz ? Je connaissais pas, et c'était enregistré quand j'ai pris la voiture. Et en vrai, c'est vachement Pardon. Bien. Joseph, ça fait combien de temps que tu habites à Paris ? T'es tout petit, genre 33 ans. Ouais, à peu près. Et tu... Bah, je branchais mon... Enfin, sinon, j'écoute pas beaucoup de musique, donc j'écoutais pas de musique dans la voiture. Voilà, donc là, vous avez... Je préfère parler de pompe à huile que voilà, de choix musicaux. De Joseph qui découvre à 33 ans l'existence de TSF Jazz. Donc là, vous avez voilà, deux pignons, là. Deux pignons, ici. Donc une pompe à engrenage, en fait, c'est simplement ça. À opposition à une pompe trochoïde qui a des engrenages aussi. Mais pas pareil. Genre, il y a un engrenage autour et un engrenage au milieu. Ça, c'est une pompe trochoïde qui permet d'avoir le mot compte triple au Scrabble. Putain, celui-là, quand tu le places. Ah, trochoïde, avec un i tréma, tu défonces tout. Hein. Et donc là, il y a une petite bille qui, en fait, ça sert de régulation de pression. C'est ultra bien. J'aime bien les systèmes mécaniques bien foutus et bien pensés. C'est-à-dire que là, vous avez de l'huile qui passe là-dedans. Là. Donc vous avez
C'est toi, Joseph. Donc, prends un M&M. Bonjour. Vous avez l'huile qui est aspirée par ici. Ensuite, là, ce truc-là, par le biais de cet axe-là, c'est entraîné par l'arbre à cames. Et vous voyez, ça, alors ça tourne dans ce sens-là. Ça tourne comme ça. Allez. Non, bon, c'est un peu raide à entraîner, donc ça, c'est plutôt bon signe d'ailleurs pour la santé de la pompe à huile. Donc là, ça tourne dans ce sens-là. L'huile, elle est prise en fait entre les dents des pignons et elle est chassée vers là-bas, là. Vers ici. Au fond, là, il y a un trou. Ce trou-là, ici, communique avec là-bas et ensuite, c'est chassé par là. Donc là, vous êtes en pression d'huile, ici. Mais, si il s'avère qu'il y a trop de pression d'huile, c'est néfaste pour le moteur. Donc, en fait, vous avez une bille qui est au fond et cette bille-là, elle est maintenue par un ressort. S'il y a trop de pression d'huile, ça vient pousser la bille et le surplus de pression d'huile se barre et redescend là-dedans, dans le carter d'huile. Un peu plus bas. Quoi, un peu plus bas? Pour montrer à la caméra, là-dedans. Parfait. Ça redescend là-dedans. Ça redescend dans toute la pompe à huile. Donc, ça veut dire que ça décharge, en fait, ici, ce tuyau-là. Donc, ce tuyau-là, il est maintenu à 5 bars maximum, enfin à une pression en fait imposée par ce ressort là. Et c'est tout con en fait, mais c'est hyper bien foutu comme truc. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, petite question qui se passe sur le chat à ce moment-là, sur la pompe à huile, si le ressort devient faible, plus assez de pression d'huile ? Ouais. On a la pression d'huile qui faiblit si le ressort devient faible. Alors après, c'est quand même relativement rare. Que le ressort faiblisse. Mais en fait, il y a des montages. Bah, encore une fois, à un moment, il y a Farine de Blé qui bricole là-dessus. Il met des rondelles un moment dans sa pompe à huile. Et en fait, il vient jouer avec... Je vais tout faire avec un M&M. J'entends Joseph qui s'étouffe derrière avec un M&M. Mais j'adore les M&M, mais il faut pas vraiment, mettre... on est au niveau George Bush qui s'asphyxie avec un bretzel, quoi. Oh, dur. Ouais. Donc, bref, à un moment, Farine de Blé, il bricole des trucs. Donc, en fait, il joue sur les précontraintes, sur les précharges de ressort. C'est-à-dire que là, à un moment, si je veux augmenter la pression d'huile, eh bien, là, je mets des cales d'épaisseur. Là, je mets des rondelles ou je mets un écrou qui va plus me contraindre mon ressort. Et du coup, ça va me donner plus de pression d'huile. Après, comme on disait sur sur un Twitch précédent, si les constructeurs, ils l'ont fait d'une certaine manière... Peut-être pas pour rien. Donc, et là, comme le moteur, on va pas le préparer ou on va pas le modifier ou pas. Le truc comme ça. 2023, vous êtes connecté sur votre ordinateur pour écouter un mec vous rôter dans les oreilles. Hein. Voilà. Et donc là, je regarde l'état de la pompe à huile. C'est neuf. En fait, le pignon, il est tout neuf. Je suis un peu deg. Parce que, en vrai, il n'y aurait pas le proprio. Je lui aurais chouré sa pompe à huile. J'aurais foutu une vieille pompe à huile. Et puis, et voilà. Mais bon, comme il est derrière moi, bon, je vais être réglo, quoi. On fait jamais ça. N'écoutez pas, Arthur. Non, on fait pas ça. Attends. Arthur, sur l'établi, il y a... Là, il y a un hibou, là. Ah bah oui. Ouh, dans ton cul. C'est ça, la réponse. Voilà. J'ai 4 ans. C'est vraiment très... Moi, je suis ouvert à toute critique après ça. Et ben, on est pas mal, hein. Je suis encore en train de me marrer de ma vanne, c'est terrible, hein, non? Non, tu le mets pas dans ta bouche. Mais non, mais je voulais le remettre, parce qu'on va oublier, sinon. Oui, bah oui, c'est vrai, tiens. Oublier la jauge ville. Et toujours sur la petite caméra. Donc là, les deux vis courtes qui vont là. J'avais dit à Joseph, tiens, tu feras l'animation du chat et puis... Là, il n'y a pas de questions ouais, okay. Pour le moment sur le chat. Posez des questions sur le chat, hein, je vous en prie. Vas-y, hein, là, c'est du remontage, donc
Pas grand chose d'intéressant. Hein. Bonjour Yann. Tu vas bien Yann? Ça se passe bien. Ah tiens, j'ai une question. Farine de blé impeccable. Farine de blé, 2 litres d'huile. Alors, c'est pas farine de blé qui pose la question. Hein. Voilà. Parce que vraiment, je pense... Qu'est-ce que tu fous là? C'est vraiment, je pense que lui, hein, vraiment rien à battre. Oui, c'est oui vrai. Vraiment, c'est pas nous qui allons lui expliquer. Oui, c'est pas nous qu'on va lui expliquer des trucs. Hein. À chaque run, pourquoi 2 litres d'huile à chaque run? Parce qu'il a une pression de bâtard. Il tourne avec des. Enfin, il a des. Donc, il utilise une suralimentation, donc un turbo. Un turbo. Tu veux que je le mette en grand ou tu... Ouais, remontage, vas-y. Donc il utilise un turbo, le truc c'est que déjà d'une, le turbo consomme de l'huile, et de deux, en fait, il y a de la pression qui tourne dans tous les sens, que ce soit de la pression d'air ou que ce soit de la pression d'huile qui va partout. Attends, je suis concentré avec ma pompe à huile, là. J'essaye d'expliquer un truc. Et une pompe à huile. Ah bah c'est un métier, monsieur. De réussir à faire les deux à la fois. Ouais, bah j'y arrive pas. J'aime bien parce qu'au moment où je t'ai dit ça, je me suis trompé 3 fois sur le stream desk pour mettre la bonne caméra. Oui. Est-ce que t'as des bons livres de mécanique à conseiller? Il y avait celui du magazine... Oui, chauffeur de taxi. Non. Comment s'appelait le magazine Gasoline? Ils avaient sorti un petit bouquin de mécanique en une édition spéciale qui était pas mal. Des bons livres de mécanique à conseiller. Et ouais, des bons livres. De mécanique, on n'est pas sur de l'histoire de voiture. Ah. Il y a encore JB? Oui. En vrai, c'est, je crois que c'est Gasoline, moi, c'est le premier que j'ai pris. Ils en ont plusieurs. C'est une bonne base. Ouais, parce qu'après, il y a des bouquins de Speed Series, je crois, qui sont des bouquins en anglais et qui est sur vraiment des détails ultra techniques. Genre, il y a un bouquin entier sur le moteur série A de BMC, quoi. C'est le dernier niveau, tu sais, de geekerie automobile. Oui, ben je les ai. Non, arrête. On ne s'en serait pas douté. Non, dans beau bouquin, je pense les trucs de gasoline, c'est la bonne base pour commencer. Alors, les puristes diront qu'il y a 2-3 erreurs qui se sont glissées dedans. En vrai... Bah, en vrai, soyez contents de repérer les erreurs, quoi. mais c'est une bonne base. Donc là, on en est où? On remet l'égouttoir à pâte. Oui. Tac, tac. C'est... Là, on vérifie que ce soit Arthur, bien là et là. C'est pas le même modèle du truc qu'on a réparé il n'y a pas si longtemps que ça? La goule. Oui. D'accord, ok. Exactement. Il y avait un carter de pompe à huile qui était pété là. Et on l'a réparé avec brio. Avec qui? Avec brio et un poste à souder. C'est deux trucs. Mais c'est des il fallait les deux, là, vraiment. Hop là, Gerbotron 6000. Je sais pas, j'imagine que le cadre est bien. Alors là, il y a un joint ici. Excusez-nous, hein, tu redéplaces la caméra sans vérifier avant. Il y avait une pochette de joint. Ouais. Il faut une pochette pour changer les joints. Hop là, pardon. Bah, c'est-à-dire, si on a la possibilité de changer les joints, on y va. Après, on va dans la vérité vraie. Alors. Il va y avoir une plaquette d'usinage là-dedans. C'est quelle caméra qui... Hop là, bouge pas, c'est bientôt la 3. Hop là. Je vous remets sur la nouvelle. Tiens, bouge pas, tu veux que je te mette dessus? Hop là, caméra 3. Alors voilà, comment ça se présente, une pochette de joint. Gasquette, c'est... Comme Joseph, il en a plusieurs, des gasquettes. Allez, voilà, salut, bonne journée. Waouh. Ouh. Donc ça, c'est une pochette de joint bas moteur. T'as vu? Deux feutres à la con, là. Arthur, c'est fou. Là, la boîte, elle est presque à la bonne taille par rapport à la taille du colis. Et encore. Et encore. Hop,
Hop, moi c'est ces deux joints-là qui m'intéressent. Le reste, poubelle. C'est pas vrai ! Le propriétaire qui a payé 1300 balles de commande de pièces. Quoi ? Comment ça ? Mais je veux qu'on se serve de tout ! Alors, je... J'en profite pour regarder le chat. J'essaie de changer de joint hors caméra. Ça le fait ou alors il faut une preuve de tout ? Pourquoi ? Attends, j'enlève le joint. Hop là, vas-y. Je nettoie. Mal cadré. Et je remets un nouveau. Promis juré, c'est un nouveau. Tout est filmé. Si nos propriétaires se posent des questions, je nous fais avons... la même chose de l'autre côté. Tu m'as fait super peur, j'ai cru que c'était cassé. Vraiment, moi, ça m'arrive dans la main, je pense que c'est pété. Hein. J'enlève le joint. Ah, tout cas. Ah, bah, dégueu. Je mets le nouveau. La super bonne nouvelle, c'est que les pignons de pompe à huile ont été changés. C'est quelque chose qui n'est pas fait ultra souvent. Et donc, ça, c'est plutôt bon signe sur la qualité de la rénovation du moteur. Donc, c'est plutôt rassurant. Bah, c'est plutôt même la qualité du travail de celui qui a restauré le moteur. Oui. Présentement, commence à se développer une certaine forme de jalousie vis-à-vis du propriétaire qui est en train de se faire, qui va se foutre un moteur tout neuf, vraiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arthur, en fait, c'est le même moteur qu'on a fait mercredi dernier. Ouais. Donc, forcément... Et aussi, alors, petite info pour ceux qui avaient suivi notre stream et on se posait la question ensemble de est-ce que le rodage de soupape avait servi à quelque chose ? La réponse est non ! Vraiment, ça n'a servi strictement à rien. Ouais, ça a servi à rien puisque en fait, on a fait 2-3 mesures. On peut recommencer, quoi. Enfin, ouais, on veut le même... Il y a même plus que recommencer, là. Pour éviter de s'emmerder trop, on va refaire entièrement la culasse. Alors attends. Bien qu'on adore roder les soupapes. Ouais, maintenant on a un nouvel outil. Alors. Attends. Alors ça c'est vachement pratique. Cet outil, ça s'appelle comment cet outil ? Un support, enfin ça s'appelle un support moteur. Attends, il y a tout, ça va tomber là. C'est marrant, c'est que tu l'as dit avec du délai. Il y a du délai sur l'image donc. Ouh là là. Pourquoi tu le mets à l'envers ? Tu peux prendre la vis là ? Laquelle ? Celle qui est sur l'établi et la mettre. Excusez-moi, je reviens parce que là, il est dans une position où c'est un peu délicat, donc il faut que. C'est quand tu veux, ça fait 150 kg comme moteur, vas-y ! La vis qui est là, et laquelle ? La bouteille. Celle-là ? Non, la grande. La grande vis ? Ouais, là, voilà, dans le trou là. Faut que je montre à la caméra. Dans le trou. Trou. Merci, je vais. C'est vraiment un merci qui est dit avec les dents serrées. Hein. Donc, pourquoi je fais ça ? Il y a un truc entre les dents. Il a vraiment, il y a la tête du. C'est un bout de M&M ça. Bah, on me dit pourquoi il mange des M&M pendant en le. En fait, là. C'est pas professionnel, monsieur. Là. Dans oui. Cet axe-là, là, vous voyez, là, ce truc-là, c'est une pompe à essence. Là, vous avez le pignon de l'arbre à cam. Et là, vous avez, là aussi, un truc de l'arbre à cam. Là, vous avez l'allumeur qui, lui, est entraîné par l'arbre à cam. Et de l'autre côté, vous avez un tru, là. Pour me faire confiance sur ce coup-là, vous ne le voyez peut-être pas. Si, on le voit, le tru. Le tru, là, oui. Qui est par là. Par là, là. Ouais, là, on le voit. Là. On le voit. Bah, si tu bouges le moteur, on ne le voit plus. Mais là, on le voit. Et bien là, le trou, ici, c'est le débouché de l'arbre à cam. Et en fait, l'arbre à cam entraîne la pompe à huile. Par le biais... de ce décrocher-là. Le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de me casser les noix. Je sais très bien que je vais devoir démonter l'allumeur entièrement. Donc, je vais enlever l'allumeur pour que le pignon ici soit complètement libre et pour pouvoir remonter la pompe à huile sans me faire chier à savoir si c'est le truc dans le bon sens et tout ça. Voilà, je suis un gros feignant. Mécaniquement, ça reste valable. Ah oui, non, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sens mécanique. J'ai juste dit que j'étais une grosse feignasse. Demain, c'est vous qui le savez. Hein. Moi, je branle rien. Hein. Et
Est-ce qu'on fait que des B20? Non, on fait pas que des B20. Alors, non, bah, eh oh, ça va. Mais... c'est vraiment tombé, là, ce coup-là. Oui, on a dit à la suite. Ça mais non, dire qu'on fait que, ça. Non, non. Et est-ce qu'on fait des B30? Si t'en as un, donne-le-moi. Vas-y, go. Ça serait enfin, fou. Non, mais ou en vrai, s'il y en a un en réflexion ou un truc comme ça. On aimerait bien, on aimerait bien en faire. C'est, pas, c'est un peu moins courant comme moteur. C'est un peu moins courant, ouais. Le B30, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un 3 litres. C'est la version 6 cylindres de ce moteur-là. Il y a plus rare encore. Il y a le B36. C'est la version V8 de ce moteur-là, qui n'a jamais été monté dans des bagnoles. Attention, vous êtes devant la caméra, monsieur. Il y a eu un prototype de Volvo qui a été fait comme ça. La Marcos, pas avec le V8 Volvo. Avec le B30, oui, mais pas avec le V8, le B36. Il y a eu un morceau de... Donc là, qu'est-ce que tu fais, là nerd. Arthur. Qu'est-ce que je fais? Bah oui, pourquoi t'as mis le tournevis là-bas? Non, bah, je suis super con. Là, je suis en train de... Voilà! D'aligner tout le bazar. Tout le monde voit bien ma calvitie, ça va? Ça se passe bien? Voilà, si vous êtes venu sur le stream pour des questions capillaires, cassez-vous d'ici. C'est... On passe en mode ASMR, lissage. Ouais, faut un cliquet. Attends, on monte les plates à cliquer. Oh, il faut l'or. Alors, pour ceux qui connaissent pas cet outil, pendant qu'Arthur va revisser ça, tu peux m'en donner une aussi que je montre. Alors, je peux te la prêter et pas te la donner. Oui. On a d'un côté le cliquet qui permet de visser avec le petit clic-clic-clic. Mais il existe aussi des clés plates. Avec la même chose. Et le feu, cet outil. Vraiment, Arthur, est-ce que tu peux expliquer à quel point c'est un outil cool? Comment veux-tu que j'explique? Mais... je fais, c'est bien. Et faites-moi confiance, les gens. C'est... en vrai, en vrai, source, PKT, frérot. En vrai, c'est cool. Bon, ça coûte un peu cher, j'avoue. Mais plutôt costaud, en plus. Plus. Ah, c'est serré. Et ben voilà, on a pris combien de temps? Encore une fois, beaucoup trop de temps. Alors, par rapport à ce que le temps que devrait durer cette opération, c'est toujours un peu plus long. Mais, t'as enlevé la vis? J'ai enlevé la vis. Bah, si tu veux le tourner, faut enlever la vis. Oui, mais j'essaye de voir dans quel sens il faut que je tourne pour enlever la vis. J'imagine dans ce sens-là. On arrive, attendez, je vais vous mettre sur l'autre caméra, vous allez voir un peu mieux le... On est bon. Hop là, et re à l'envers. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Arthur, après ça? Bah, en vrai, il y a une étape très chiante de nettoyage du plan joint avant de reposer un joint neuf et tout ça. Il va y avoir une étape très chiante du nettoyage du carter ici. Et il va y avoir une étape de démontage de là. Par contre, j'ai pas trouvé le joint spi là. Là, dans la boîte. Ouais, parce que alors il y a eu deux versions sur ces moteurs. Là, je vais rentrer en heure de ce moteur-là. Les premières versions avaient en guise de joint ici un petit cerceau en feutre que Joseph a dans la boîte. Alors ça, celui-là, c'est celui de derrière. Et l'autre petit cerceau en feutre. J'arrive. Ouais. Et... quand tu veux. Hein. Je veux pas l'abîmer. Oui, mais on sait. En fait, on s'en fout puisqu'il ne sera pas monté dans ce moteur-là. Puisqu'il y a les deuxièmes générations. Vas-y, si tu veux. Non, lui, il est vraiment, non. Il y a les deuxièmes générations, du coup, qui ont un joint spi. Un joint spi, qu'est-ce que c'est? C'est un joint à lèvres. En fait, le joint spi, est-ce qu'on en a un qui traîne? On va essayer de vous trouver ça pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors là, actuellement, tout le monde est en train de fouiller partout dans le garage. Là, on est en galère de pièces, en vrai, parce que si on n'a pas cette pièce-là, on ne peut pas, en fait, refermer correctement. Et donc, la panne de fuite continuera. C'est plutôt gênant. Bah après, il n'y avait pas de fuite. J'en profite pour regarder le chat. On remplace. Ça va, sinon, vous avez passé une bonne semaine? Vous êtes plutôt content du week-end? Perso, on est plutôt content du week-end avec Arthur. Il arrive, même s'il va être un petit peu
Plus long que prévu si on n'arrive pas à trouver la pièce. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nickel, parfait. Parfait, parfait. Et vous, vous travaillez? Oui, apparemment, nous, on va devoir finir donc cette voiture avant lundi. On a deux, trois autres voitures qu'on aimerait bien pouvoir avancer pendant le week-end. Ça nous permet de nous avancer sur la semaine prochaine et d'être beaucoup plus serein parce qu'en ce moment, on est... On s'en plaint pas, c'est hyper cool, mais ça demande un peu d'organisation pour pouvoir rentrer toutes les voitures. Monsieur Moreau, oui. Est-ce que vous avez trouvé ce joint SPI? Alors, j'ai un joint SPI, là, qui traîne. Je sais pas si c'est le bon. On va voir. Voilà, c'est un joint SPI. Le vends, en tout cas, de manière vraiment intéressante. En tout cas, on en a pas mal apparemment, où ils ont eu une semaine délicate, eux aussi. Attention, on vous montre le joint SPI, effet, caméra 2. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je suis invisible. Et après, c'est moi l'enfant. Monsieur Froton, faut changer le joint. Froton. Ouais, Froton. Monsieur Froton. Oui. Ouais, bah, chacun a sa libre interprétation de... Tic. Alors là, il y a Wellendish Ping, Getrib Ausgang. Alors, Ausgang, j'imagine que c'est la sortie. Et non, Getrib, c'est, Getrib, c'est la boîte de vitesse. Et Ausgang, c'est la sortie. Non, Ausgang, Amadeus Mozart. Oh putain. C'est pas ça? Pas Ausgang? Non, Wolfgang. Wolf, ça sonne. L'oreille. Ah, je suis désolé, je suis désolé. Hein, pardon. Pardon. Mais en plus, c'est même pas écrit en allemand, c'est du suédois. Alors non, c'est commandé en Allemagne. Alors ça, j'ai un joint de derrière, celui-là, là. J'en ai fait tomber un autre. J'ai quelques pièces de Volvo qui traînent, il paraît que j'aime bien ça. Pas les pièces qui traînent, hein, mais les Volvo. Le CD, vu le garage, j'aime bien les pièces qui traînent aussi, non? Alors ça, ancienne version, on feutre à la con là. C'est un joint avec des poils là. C'est doux ou pas? En vrai, ça va à peu près. Vraiment, si on a besoin de le monter après. Déjà, c'est toi qui le monte. Ah. Non, en vrai, ça va. Ah, doucière, à peu près. Vas-y, monte le joint SPI. Et voilà le joint SPI. Alors, attends. Oui, sans la boîte. Je montre. Oh, attendez, on va sortir le joint SPI de sa boîte. En vrai, je peux pas péter dans le micro, pas. Non, on ne pète pas dans le micro. Il y aurait un ressort comique fou. Voilà. Un deuxième ressort comique. Si on a un ingé son là, qui nous regarde et qu'il a des conseils faudrait pour pouvoir équiper un micro Arthur pour entendre les proutes. Alors ça, joint SPI. Ça, c'est du caoutchouc, caoutchoutique, caoutchouteux. Mais peut-être la caméra 2. Hop, la caméra 2. En fait, ça s'appelle un joint à lèvres, ce truc-là. Vous avez, en fait, derrière... Je sais pas si on voit bien. Hop là, vous voyez derrière, là, vous voyez, le partie métallique, c'est un ressort, ce truc-là. Ça fait que le ressort, en fait, vient constamment serrer cette lèvre-là, celle-là qui bouge, là. Vous voyez, la lèvre qui bouge, là, au niveau de mon majeur. Ça vient complètement serré sur l'arbre tournant. Alors là, en l'occurrence, l'arbre tournant, c'est le vilebrequin. Hein. Et vous avez de l'huile qui arrive derrière. Et le truc qui n'est pas con, deuxième truc, c'est que non seulement vous avez le ressort qui vient serrer sur l'arbre tournant, mais en plus de ça, vous avez la pression d'huile, en fait, quand elle vient dans le creux, là, dans cette gorge-là, elle vient appuyer sur la lèvre. Ça fait que plus on a de pression, plus on vient faire de l'étanchéité. C'est pour ça. Sur certaines voitures anciennes, on ne commence à avoir des fuites que lorsque le moteur est éteint. Il y a eu un bloc de mou en fin de journée. C'est que quand le moteur est coupé. Oui. Une fois que le moteur s'éteint, en fait, le moteur arrête de tourner, la pression d'huile chute, et s'il est un peu vieux, le joint, eh bien, en fait, il vient se relâcher, et là, l'huile peut passer. Voilà. Voilà, voilà. Donc, question. On a bien le joint de derrière. Question qui vient de popper dans le chat. Arthur, je te laisse y répondre. Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on s'occupe aussi des voitures électriques?
Alors en vrai, on pourrait. Non mais, plaisanterie mise à part, on pourrait faire du... Il y a quoi à faire sur une voiture électrique ? Heureusement qu'il y a la musique en fond. Il n'y a pas la musique en fond, c'est ça qui est le pire. Je suis navré. Non, mais sur une voiture électrique, la difficulté, c'est que vraiment... Qu'est-ce qu'on fout avec des voitures électriques ? On a déjà de quoi remplir le garage avec des vieilles bagnoles. Oui. Ça me fait vachement plus marrer d'avoir des vieilles bagnoles que des voitures électriques. Je ne dis pas que je suis contre les voitures électriques, mais déjà, effectivement, Joseph a complètement raison. Qu'est-ce qu'on fait dans les voitures électriques ? Plaquettes, une fois tous les 200 000. Change les plaquettes de frein, il y a un frein moteur de bâtard sur ces trucs, c'est le freinage régénératif. Donc, au final... Presque jamais. Ouais, presque jamais. Changer les pneus, on est vachement moins compétent que des mecs dont c'est la spécialité de changer des pneus. Ouais. Oh si, je sais ce qu'on peut faire sur la voiture électrique. Faire le niveau de lave-glace. T'as envie de faire des niveaux de lave-glace à longueur de journée? Non, c'était une rangée de Tesla. Bonjour. On fait que les niveaux de lave-glace de Tesla. Ça serait, c'est quand même très précis. C'est très spécifique. Peu intéressant pour nous comme pour vous. Donc non, on fait pas de voiture électrique. On aimerait bien. Enfin, on aimerait bien. Non, c'est qu'on saurait pas quoi faire dessus. Les éboueurs pour les voitures électriques. Waouh. Waouh. J'ai pas compris la vanne. Je pense que c'est... Ah, qui veut les mettre à la poubelle. C'est pour signaler sa désapprobation envers les voitures électriques. En vrai, non, on aime bien. On aime bien, mais vraiment, on peut pas s'en occuper. C'est pas notre métier. Et il y a plein de gens qui sauraient faire beaucoup mieux que nous. Donc, non. Et on fait pas de voitures modernes en général. Après, je dis pas que si un jour, on nous ramène une voiture électrique de début 1900, ouais, pour faire quelque chose dessus, sachant que les voitures électriques existaient depuis très très longtemps, on saurait peut-être... La voiture la plus vendue aux États-Unis en 1905. 1905, électrique, ouais. C'est une voiture électrique. Eh ouais. C'est pas si récent que ça. Donc oui, non, ça on pourrait, mais sinon non. Et encore une fois, la première bagnole à passer 100 km/h, c'est une voiture électrique. C'était la jamais contente. Française, deuxième non voiture à passer les 100 km/h, c'est une voiture à vapeur. Mais okay. C'était une voiture française, la voiture électrique ? Débat compliqué. Franco-belge. Ah, il y a Franco dedans. Franco dans le sens français. Oui. Après, elle s'appelait pas la jamais contente une fois. Donc, elle était française plus que belge. Jamais contente une fois. On n'a pas besoin de... Oui, j'ai besoin de réexpliquer le truc. Oui, au charbon. Bah alors, au charbon, oui, c'était des voitures à vapeur, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on pense des voitures à hydrogène ? Ouf. Oh. Le stream n'est pas assez long. Ouh là 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 là. Alors déjà, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre d'avoir notre avis à nous ? Parce qu'on est absolument pas compétents. En vrai, ça va être un avis qui sera valable comme un avis de monsieur tout le monde. Quoi. Oui, voilà, ça ne vaudra pas plus qu'un autre avis. Mais en termes... Alors, du peu qu'on en sait... On va le lancer comme ça. Le côté, je crée de l'hydrogène, enfin je capte de l'hydrogène, je transporte cet hydrogène, je le mets dans la voiture qui le retransforme de nouveau en électricité pour alimenter le moteur électrique. A priori, le rendement en termes écolo, il est pas ouf. Et là, vraiment, à titre strictement personnel, donc ça n'avance qu'à moi, je suis pas très très chaud de rouler dans un truc avec une bonbonne sous pression, avec beaucoup d'hydrogène, sachant que l'hydrogène, c'est pas vraiment comme l'essence, ça pète, mais très très fort. Donc, quand on dit ça pète, c'est que ça explose. Ouais, ça explose, mais genre vénère. Hein. Je vous invite à regarder sur YouTube ou tout ça, avec un tout petit peu d'hydrogène, ce que ça peut donner. Pas chaud d'avoir ça sous mes fesses quand je suis en train de conduire mon auto. Mais bon, après, c'est vraiment un avis sûrement biaisé. Après, l'électrique... Nous aussi, on est bien biaisé parce qu'on n'a pas le joint SPI, là. Il nous manque la pièce pour pouvoir remonter. Mais j'en ai chez moi. Parce que, je sais pas si vous savez, mais je m'intéresse un petit peu au Volvo. Je vous,
je vous laisse imaginer la tête du stockage perso d'Arthur, où il y a que des pièces de Volvo. Vraiment, t'en as un chez toi? Ouais. Bon, c'est pas le premier mieux, hein. B20 que je bricole. Donc... Attends, j'ai des joints ici. Non, mais... on n'a pas vu le gros crachetage de la Mirai. Je sais pas ce que ça a donné. Je regarderai après. Ça peut être intéressant, effectivement. Je vais pas tout ramener ici, moi. La voiture est poussiéreuse, quand même. Alors non, la voiture n'est pas poussiéreuse. Ça, c'est... La voiture est plutôt ancienne, donc le vernis est passé. C'est pas de la poussière qu'il y a dessus, c'est vraiment juste une... comment on dit, la voiture, elle a une patine. Mat. Oui, elle est mat, mais c'est dû à une patine, c'est pas de la poussière. On a des voitures qui sont parfois poussiéreuses, mais pas celle-là. À l'inverse de l'Empereur, dans Star Wars. Pas de patine. Pas de patine. Oh, j'aime bien. C'est le sénateur. C'est le sénateur et après c'est l'empereur. Ouais. Sans vouloir, pardon, peut-être pas spoiler, les deux personnes qui n'ont pas vu Star Wars, que vous foutez? Joseph est un petit peu sensible. Alors, ce que je vais faire du coup en explication, d'accord. Je vais démonter le carter de Distri et je sais pas quelle heure il est. Ça fait 2h. 16. Je démonte le carter de Distri, on regarde la Distri et après, bah, moi j'irai... Et après, on arrêtera le live sur là et on se reverra vendredi prochain. Ou peut-être avant, d'ailleurs, je ne sais pas. Ça va dépendre si on a des choses intéressantes à vous montrer dans le garage. Oui. Un autre soir. Mais en tout cas, on essaiera d'être là à chaque fois le vendredi soir. Alors, j'en profite pour passer un peu sur le chat. Impressionnant. D'accord, pardon. Oui, alors je sais, apparemment vous êtes sur l'hydrogène. C'était un avis perso, je sais pas, il faudrait que je regarde plus en détail, mais bon. Après, l'électrique, pour en avoir essayé plusieurs, c'est tellement instantané, c'est vraiment, vraiment super cool. Le problème, c'est pour la recharger, parce qu'il n'y a pas assez de stations de recharge. Vivement, t'imagines Arthur, là, quand il va voir le chassé croisé. Ah ouais. Le chassé croisé, où t'as les Zaoussiens et les Juilletistes qui vont se croiser. Et que déjà, quand tu fais le plein d'essence qui dure 5 minutes, c'est le bordel, avec toutes les recharges, ça va être fantastique. Mais après, à conduire, c'est vraiment cool. Si vous avez l'occasion d'ailleurs d'essayer une voiture électrique, allez-y, c'est surprenant et marrant. Ouais, avant de gueuler sur les voitures électriques, essayez-en une quand même. Ouais. Et on ne peut pas rester insensible, en fait, à ce truc-là. Si on aime bien la bagnole, si on aime bien les sensations d'accélération, les trucs comme ça, on ne peut pas dire que c'est 100% nul. Ça pousse. La voiture électrique. Hop là. Alors, j'enlève la clou d'oie. Parce qu'en fait, ça se trouve, on va avoir une très bonne nouvelle. Parce que comme le moteur a été refait, si ça se trouve, on va avoir les très bonnes nouvelles de voir un joint genre PECOB. Et pas besoin de le changer. Ça ne laisse pas indifférent, oui, c'est ça. Ouais, ça pousse. Merci en fait. Pour la ref. C'est du 21. On va sortir le Kraken. Il n'a pas réagi, Joseph. Non, bah après, alors... Je sens que j'ai lancé un petit débat dans le chat. On adore les électriques. On aime beaucoup les voitures thermiques. Et aussi les diesels dans certains cas. D'ailleurs, on avait fait une vidéo dessus, si je ne me trompe pas, sur les diesels il y a quelques temps. Et aussi très intelligent. C'est juste l'utilisation de chaque type de moteur dans les conditions les plus optimales. Je vais te mettre sur la caméra. Présente le Kraken. Le Kraken. Une clé à choc, hein, c'est... voilà. Non. Mais c'est pas n'importe une clé à choc. Clé à choc, c'est une des plus grosses. C'est ouais, chez Makita, sur batterie. Ça doit être une des plus fat. C'est combien de couple? 1000 Nm de couple. Qu'on se mette d'accord, c'est quoi comme voiture? 1000 Nm? Ouais.
Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Camion. Une L4. Peut-être une L4. Peut-être une L4, un truc comme ça. Alors la différence, c'est que là, ça va faire 1000 Nm sur un pic. C'est-à-dire que c'est équivalent à une L4 pendant 0,002 secondes. T'as une L4 dans la main. Donc, ouais. Effectivement. De la rigolade. Votre moteur, c'est de la gnagnotte. Hop là. Tac. Attendez, puis... je vais vous mettre la caméra. Hop là. Joseph. Oui. Où est-ce qu'il est, le petit cliquet? Je suis en train de déplacer un moteur. Fais pas genre, c'est vachement impressionnant, il y a des roulettes sur le truc. Non mais là, je suis sur le côté des roulettes. Et tu pourrais bosser de manière intelligente et te servir des roulettes. Mais oui, mais dans ce sens-là, tout va bien. Mais là... Oui, mais les roulettes sont orientables à 360 degrés. Mais pas derrière. Regarde, là, on peut pas. Le monde de Joseph est vachement compliqué. Hop là, et là c'est... Oh, billard. Et là, pas billard. C'est lourd, hein, en fait. 150 kilos. Bon. Alors. Il est où, le petit cliquet, Joseph? Oh, on va dire non. Il était pas rangé. Désolé. Alors... Alors dans la vraie vie, c'est vachement plus rapide. Hein. Alors est-ce qu'on a d'autres choses à faire sur cette voiture d'ailleurs que le moteur? Ah oui, bah plein de trucs, oui. Le moteur, en fait, faut le remettre dans la voiture. Mais qui est juste derrière. Qui est juste derrière. Faut remettre la boîte de vitesse aussi. Faut remettre l'arbre de transmission. Faut changer le palier central de l'arbre de transmission. Faut reposer une ligne d'échappement. Faut faire quoi? Faut refaire les carbus, faut changer la piste d'admission parce qu'on passe en double carbu au lieu d'un simple carbu. Faut refaire les carbus. Poil au doigt. Faut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut refaire l'allumeur. Faut changer l'oreillage. Ok. Faut remettre des durites de refroidissement. Faut mettre de la lunette de chauffage, faut remettre un câble de compteur, faut plonger les freins. Peut-être pas con ça. Bon, ouais, il y a deux trois trucs à faire. Ça hein. peut servir. On va pas se cacher. Ça va être un week-end un petit peu. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Énergique. On a très peur de s'ennuyer. Je suis terrifié à l'idée de m'ennuyer. On avait eu cette discussion sur un précédent live en disant le problème c'est quand il faut absolument que la voiture soit prête à un moment pour que vous puissiez repartir avec au travail, etc. Et ben là on n'est pas exactement, mais pas loin, il faut que la voiture soit prête pour partir lundi. Et nous sommes vendredi 20h23, le moteur est toujours pas... refermé. Oui, il est même pas dans la baie moteur, il est pas refermé. Donc oui, il y a du taf. Large, en vrai large. Là on est, le réveil a sonné 10 fois, il est 10h moins 5, les cours commencent à 10h et il y a une demi-heure de trajet mais ça va en vrai, en se bougeant un peu ça va passer. Oh là là Arthur, j'ai une question là pour toi. J'ai vu. Hein. Non. J'ai une question pour vous, monsieur Moreau. Oui. Je sais que ça va être compliqué. Quelle est la meilleure Volvo?
Arthur, je te laisse sur la caméra 2 pour répondre à cette question. Tout dépend de ce qu'on définit par la meilleure. C'est quoi les critères, en vrai? Oui, parce que... La meilleure Volvo pour avoir l'air con, c'est une 343. La meilleure Volvo pour détruire un mur, c'est la pelleteuse qui est garée dehors. Oui, en fait, on a une pelleteuse Volvo garée dehors. Donc, pour péter un mur et creuser un trou, a priori... Voilà. J'avais très, très envie de l'essayer, mais elle n'est pas à nous. Et vraiment... Et vous avez vu ce qu'il est capable de faire avec une clé dynamométrique? Imaginez ce qu'il est capable de faire avec une pelleteuse. Une pelleteuse? Oui, 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 bah oui, oui, oui. Ça, Arthur, c'est... Oui, oui. On a l'occasion une seule fois dans notre vie d'avoir une pelleteuse comme ça. Et on a les clés. Je préférerais, tu vois, étant un peu en partie propriétaire de ce garage, je préférerais que tu aies l'occasion zéro fois dans ta vie à proximité de ce garage de te servir d'une pelleteuse. Il ne veut pas me donner le code de démarrage parce qu'il y a une clé, il y a un code et je n'ai pas le code. Ouais, ouais, bah oui. Ah, c'est un feutre. Ah là, c'est chiant là. C'est quoi? C'est un feutre à cul là. Eh mais on a le feutre. Alors oui. Attends. Il est d'un optimisme sans faille. Regarde. Hop. Si on le... Non. Mais si, on peut le changer, le feutre. Eh bien, on peut le mettre dedans. Oui, ça, je suis d'accord, mais le feutre, c'est de la merde. Mais oui, mais on l'a. On est sur un conflit de... Mais oui, mais on a le feutre. Oui. Mais c'est de la merde. Pourquoi? Le feutre? Oui. Par rapport à un joint spi, je sais pas, j'ai passé 10 minutes à expliquer comme quoi un joint spi c'était vachement intelligent. Et là, on a celui-là qui essaye de faire l'étanchéité, quoi. C'est... T'as déjà essayé de faire l'étanchéité avec du feutre? C'était un mardi? Ouais. Qu'est-ce qu'on a en feutre? C'est-à-dire que t'as ton évier qui coule, et ben toi t'as le réflexe de prendre tes crayons là. Bah ah oui, non mais pour aller. Alors... Excusez-moi monsieur. T'as déjà fait l'étanchéité avec des crayons là? Le crayon là n'est pas du feutre, c'est de la cire. J'ai jamais fait de dessin, c'est pas vrai. Voilà. Mais par contre, il y a des trucs intéressants là à voir. Et où? Bah, ah là, la oui, distrie. La distrie. Attendez, on va vous montrer ça. Sur ce moteur là, donc. On a parlé la dernière fois. Et je vais l'avancer un peu. Hop là. Close. Ouais, parce que je parle un peu en anglais. Ouais. Donc je sais que close, ça veut dire arrêter le chariot. C'est ça que ça veut dire. Donc sur ce moteur-là, on a un arbre à cam latéral. Pour rappel, le moteur est à l'envers. Vous avez le vilebrequin qui est ici. Et bien en fait, ce fatasse pignon-là, de ouf là. Eh bien, il vient entraîner ce pignon-là. Et en fait, là, le bout, là, ce bout-là, c'est l'arbre à cam, ce truc. Donc, on a un arbre à cam latéral. Et ensuite, on a des tiges qui viennent jusqu'au-dessus du moteur pour entraîner des culbuteurs. Culbuteurs qui vont donner du mouvement aux soupapes. Que dire de plus? Ça, c'est intéressant. C'est un truc vraiment typique des moteurs de cette époque-là. C'est un pignon en céloron. Ouais, ma gueule. Ah, attends, c'est le rond. Je sais, c'est comme le méchant dans Dragon Ball Z. En vrai, c'est le rond. C'est un méchant, tu sais, il arrive. Ah, machin, c'est le rond. L'œil de c'est le rond aussi. Ah, ça marche. Ouais. Et donc, c'est du c'est le rond. Et c'est quoi le c'est le rond? Le c'est le rond, c'est de la bakélite. C'est quoi la différence? C'est quoi de la bakélite? Non, mais c'est quoi la différence? Alors, la bakélite, c'est ça. Non, ça c'est un allumeur. Hop, là, là, là. Hop. Ce plastique là, vachement dur. ASMR bakélite. Ah, processeur Intel Celeron. Oui. Meilleur van. Merci beaucoup pour. Je tape sur la tête. C'est un Bosch JUFR4. C'est une tête d'allumeur bakélite. Propriétaire est en train de se foutre de ma gueule. Qu'est-ce qui branle l'autre con là? Je me suis tapé 300 bornes pour faire confiance à ce mec-là pour qu'il remette mon moteur dans ma bagnole. Désolé. Et donc, du coup, ça c'est de la bakélite. C'est un plastique qui est moulé, du coup. Un plastique thermodurcissable, d'ailleurs. Et si on mélange ce plastique à de la fibre et qu'on vient mouler tout ça sous pression, on obtient un truc vachement solide.
résistant à l'huile et assez silencieux. Et surtout vachement résistant à l'abrasion. Et on obtient ce pignon-là, le gros. Hein. Le petit, là, il est en acier. Et là, le gros, il est en céleron. Regardez si on n'en a pas. On n'en a pas un qui traîne là-bas. Au nord, céleron. La terre, c'était le charbon. Voilà. Pour l'animation. Du passage, Pierre Perret. De rien. De rien. Bref, donc là, c'est... j'ai pas le joint et j'ai pas le bon carter. Donc il va falloir que j'aille fouiller dans mes pièces pour retrouver le bon carter, parce que j'ai pas envie de remonter un carter avec ce joint feutre à la con. Parce que c'est jamais étanche. Là se remonter, même avec un feutre neuf, c'est l'assurance que dans 5000 km, j'ai le propriétaire qui me rappelle « Ah ! Ça pue ! Pourquoi ça pue ?» Pourtant, il y rentre. Hein. Oui. Pas de souci. Oui, Joseph. Oui. Mais ça reste une techno nulle. Voilà. Je peux le mettre dedans ? Vas-y, si tu veux, mais il faut enlever l'ancien. Mais non, il n'y a rien dedans, là. Ah, il est là ! Non ? Non, j'ai cru qu'il allait avoir une épiphanie, une révélation. Mais non, mais non ! Si, si, il y a réellement un jeu. Mais non ! Mais non, alors, bah non ! Le fait que tu le vois pas ou que tu le vois mal... Non, mais... Ou attendez. Peut-être... Regardez, je vous montre. C'est que c'est... Ça va rentrer, regardez. Mais ça, c'est une gorge d'écoulement d'huile. Bah oui, mais comme mais ça... Mais ne mets pas un feutre dedans, mais... t'es en train de boucher les écoulements d'huile. Oui, mais si je le mets dedans, et ça si devient étanche. Si tu bouches les écoulements, Joseph, tu vas avoir un problème. Il est rentré. Benzi. Putain. Alors, la notion de « il est rentré » de Joseph, c'est « il est rentré, mais avec un jour de bâtard sur le côté », genre, il y a 3 mm de jour sur le côté. Et juste à côté, il y a l'autre joint. Alors, on le voit super mal, je pense, avec l'éclairage. Il y a l'ancien joint, l'ancien feutre à côté, qui est en train de se dire ah, « peut-être qu'ils m'ont pas vu. Genre, si je me planque dans les coins, ils vont pas me virer. » Mais, c'est mal me connaître. Alors, déjà, je vire le nouveau joint, qui a rien à foutre ici, dans cette gorge-là. Et lui... Là. Oh. Oh, bah tiens. Mais Joseph, qu'est-ce que c'est là que j'arrive à. Oh ! Putain, je vois un feutre. Bah, si on en mettait deux, c'était plus étanche. Putain. Quelle horreur. Et je bosse avec lui. C'est fou. C'est fou. Et donc voilà, le nouveau joint feutre qui doit aller à cet endroit-là. Mais comme je vous dis, ça m'embête un peu de remonter le joint feutre. Alors du coup, première solution, c'est de réusiner le carter pour mettre un joint speed dedans. Compliqué. Pas envie, la flemme, et c'est chiant. Deuxième solution, c'est que les deuxièmes générations de moteurs Volvo ont des carters avec des joints speed. Il se trouve que, je ne sais pas si vous le voyez, le deuxième moteur qui est là, oh, c'est aussi un B20. Et c'est un B20 de deuxième génération. Oh, c'est quand même bien fait, hein. Donc on va lui chourer son carter, puisque c'est un moteur pour pièces. Et le principe d'un moteur pour pièces, c'est qu'il y ait des pièces qu'on peut prendre. C'est beau, la mécanique. Petite question qui vient de popper sur le chat, qui, je sais, va beaucoup te plaire. Est-ce que tu as déjà travaillé sur une Mustang de 1900 ? Alors, j'ai les dates en plus. Hein. Ah ouais, en de plus. 65. Ah non, alors dans 66. La vérité, c'est 64 et demi. Si on est un puriste, on dit 64 et demi. Et les 64 et demi, elles se reconnaissent parce que sur le capot, il n'y a pas les petits retours là à côté. De... Oui, j'ai déjà travaillé sur des Mustangs. C'est une époque de ma vie qui a été compliquée. Voilà, c'est des voitures en France, on en fait tout un flanc des Mustangs en France. Genre, ouais, c'est rêve américain et tout ça, et en vrai, en termes de techno, c'est au niveau d'une 4L. Les mots sont durs.
Et ouais, en termes de techno, ça, c'est pas beaucoup plus évolué qu'une 4L. Et il y a même des technologies, des solutions technologiques qui sont plus pertinentes sur une 4L que sur une Mustang. Après, sur une Mustang, bah, voilà, ça marche. Ça fonctionne, ça roule, ça roule même plutôt bien. C'est des voitures qui sont plutôt fiables. Après, qu'est-ce qu'il y a de dire d'incroyable sur la Mustang ? Ça a un look marrant. Ça a une gueule, voilà. En décapotable, c'est cool. Ouais, pour moi, la Mustang idéale, c'est décapotable, boîte auto, direction assistée, V8. Alors sur ça, j'étais vraiment pas d'accord avec Arthur au départ, en disant, bah, il faut une boîte méca, ah, forcément oui. Oh, là, ça, mais je ne veux qu'une boîte méca. J'ai essayé une fois une Mustang avec une boîte méca et une fois une Mustang avec une boîte auto. Plus jamais de ma vie, je veux conduire une Mustang avec une boîte méca. C'est une horreur. Enfer. Ouais. Mais c'est un enfer. Les mecs qui ont conçu la voiture l'ont pas conduite. Si tu veux, un point de comparaison, essayer une Mustang, une américaine en boîte méca des années 60, c'est comme essayer une européenne en boîte auto des années 60. Alors, par contre, pour le boîte auto, tu peux monter un peu plus haut quand même. Hein, parce que... Après, ça dépend desquels. Tu as essayé une Jaguar en boîte auto des années 60, c'est quand même cool. Ouais. Mais t'essayes une R16 en boîte auto. Une 106 en boîte auto, une Saxo en boîte auto. Une Twingo. Une Twingo. Une Twingo, si t'arrives à en trouver une aujourd'hui en boîte auto qui n'est pas pétée. Ouais, une Xara. Ah ouais. Quelle vitesse, où j'en suis. La boîte auto de la Xara, c'est vraiment c'est drôle. Ça devient drôle parce que c'est le passage de rapport sur un lancer de dés. C'est-à-dire que toutes les demi-secondes, la boîte, elle lance un dé. Coup critique, je passe la 6. Il n'y en a pas. Passe là quand même. Hop, la 5, je suis en ville à 20 km/h. Puis après, de temps en temps, t'as un petit cerveau qui fait « Attends, la 5, 20 km/h. Remets la 1 !» Voilà. Non. Non, c'est nul. Enfin, c'est pas fou. Après, là, pour revenir à la Mustang, c'est d'accord, Joseph veut que je parle à cette caméra. Pour revenir à la Mustang, quoi, C'est pas puissant une Mustang. Vraiment, arrêtez de vous pignoler sur les performances d'une Mustang. Pas puissant. Le moteur, une code A, ça fait 225 chevaux. Ça fait 225 chevaux SAE. Donc c'est une autre méthode de calcul. Et c'est 225 chevaux SAE à la sortie du moteur. C'est-à-dire qu'après, vous prenez les pertes de la transmission. C'est souvent foutu sur des roues. Ouais, je vais mettre des roues de 27 pouces sur ma Mustang pour la classe. Ça veut dire qu'aux roues, tu vas sortir entre 120 et 160 chevaux sur une caisse qui fait une tonne 4 ou une tonne 5. C'est nul. C'est pas nul, tu vois. C'est bien, ça se déplace, tu vois. Par contre, c'est pas une voiture performante. Tu prends une Code K en 271 chevaux, why not ? Mais t'as tellement une licorne que t'as pas envie de faire le con avec. Qu'on se mette d'accord sur le budget, parce que là, on est passé d'un truc à 25-30 à... C'est ça. Une Code K, ouais, de 70 000, je pense. Et après, tu prends une GT 500 ou 350... Une Eleonore. Alors, elle n'existe pas vraiment, c'est machin, tout ça. Une Eleonore. Et là, il y a tout en bois dedans. Oh là là. Non ? On est très différent avec Joseph en termes de goût automobile. Oui. Et En fait, il a un goût différent. Moi, j'ai bon goût. Voilà. Je trouve que l'Eleonore, c'est quand même bien du gros mauvais goût. Mais c'est trop cool. Et d'autant plus que c'est surtout ce surpignolé sur la GT500 qui avait le gros moteur, le big block, sous prétexte qu'il y a plus de cylindrées, alors que Carroll Shelby lui-même considérait que la 350 avec le small block était vachement mieux. Parce que moteur qui prend plus de tours et tout le bordel. Mais la GT500, c'est vraiment, tu fous un moteur de camion sur un train qui n'est même pas foutu de supporter le propre poids de la bagnole qui est montée autour. Enfin, bref. Le gras du couple, la cylindrée, c'est comme si tu mets du beurre dans tes plats. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est je veux bien, tu vois, avoir un 7,5 litres dans une Bel Air. Dans une T-Bird ou un truc comme ça, une Eleanor, t'as des grosses jantes, ils te foutent des suspensions méga raides, des trucs comme ça, donc t'as un traitement de voiture de sport, mais avec un truc qui n'a rien de sportif. Oh, mais ça doit être drôle. Même pas sûr. C'est lourd sa mère, un big block. Genre... Gros moteur. Ouais, j'essaye de raisonner avec quelqu'un qui n'est pas raisonnable. J'ai le plus gros moteur. J'essaye de raisonner avec des arguments
qui n'atteignent pas Joseph. Truc où tu... De la même manière où je peux être incohérent sur plein d'autres trucs. Hein, mais tu démarres le truc tout comme ça. Ouais, tu t'imites bien. Mais, et t'as du gras, du couple, du... Et dès que t'appuies sur la pédale, hop, là, t'as un livret A qui s'envole en essence. T'as certes. Trois T-Rex. Ouais, t'as trois T-Rex. Mais, mais c'est incroyable. C'est parti. Ah, j'adore les gros moteurs. Vraiment, je suis... Mais basique sur ça. Attends, je critique pas les gros moteurs. Je dis que ça a rien à foutre. Enfin, c'est pour moi pas cohérent dans une GT500 ou une Eleanor. Je veux bien foutre ça dans plein d'autres trucs. Enfin, c'est le plus gros. Forcément, si je veux la voiture, j'aimerais bien avec le plus gros possible. Non, ben, je suis pas convaincu. Et d'un autre côté, moi, je t'ai pas convaincu. Donc, et c'est vraiment pas la première fois qu'on a cette discussion. Le chat, on est d'accord. Oui, j'ai déjà travaillé plus gros moteur. Oui, j'ai déjà travaillé sur des Mustangs, voilà. Oui. On va peut-être s'arrêter là, parce que moi, après, je vais commencer à... Bah, ça me faire ailleurs, à aller piquer des oui, pièces là, ça partout. Oui, là, en vrai, je vais aller dans mon box en mode expédition. C'est les pièces qui volent avec partout. Les pièces qui volent. Alors, je me rappelle, en 73, j'ai rangé un joint à cet endroit-là. Il était là. D'ailleurs, dans ce fameux box, on n'avait pas un truc à récupérer pour la fabrique? Une pelle. Non, mais alors oui, non. Une pelle. Non, mais il y avait une pelle. Alors, oui, il y a toujours une pelle. Bah, elle est dans mon box. Hein. D'accord. Elle est dans mon box, rangée à côté du joint. Désolé pour le et de chat. La clé à bougie, peut-être bien. Non, et la clé à la bougie, douille. C'est vrai. La douille à bougie, c'est vrai. La douille. Ouais. Bah, messieurs, dames, merci j'espère beaucoup. Que ce live vous a plu. Bon, c'était un petit peu plus mou. Non, même pas. Toi-même. Non, toi-même. Mou, ok. Toi-même. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'est que c'était peut-être moins dense en termes de notion de méca. Oui. Et encore que. Enfin, on a fait un d'opération. Dessin. Mais on a fait un dessin. D'opération de méca, effectivement, c'était plus léger. Parce mais... que, faut pas faire le résumé de ce qu'on a fait. On a démonté des chapeaux de bielle et des chapeaux de palier, et on les a remontés, et on les a resserrés, et on a démonté un carter. Et c'est tout. Oui, c'est vrai. Ouais, si on met. Alors, en vrai. Non, sans le. Combien de temps? Voilà, dis donc, c'est super, là. Non, bah, alors dans la vraie vie. Vraiment, je ne sais pas. Ce truc-là, dans la vraie vie, plus d'une heure, non. Là, ça prend moins d'une heure dans la vraie vie, ce truc. Il y a du blabla, il y a du machin, il y a le temps de mettre en place. Mais en tout cas, on sera là vendredi prochain, quoi qu'il arrive. Peut-être. Oui. Peut-être au milieu de la semaine, d'ailleurs. On vous préviendra sur... Ah, peut-être au milieu de la semaine, on prévient sur Insta. Sur Insta, quoi qu'il arrive. Oui. C'est là-dessus qu'on vous prévient, parce qu'il y a les stories, c'est facile. Oui. N'hésitez pas à nous envoyer des MP si à un moment vous voulez savoir quelque chose ou partager avec nous. On essaye de lire tous les MP sur Instagram. Sauf quand c'est des réels d'autres gens. Alors, la dernière fois, j'en ai vu un qui m'a vraiment intéressé. Ah. C'était un outil, mais un truc que j'avais jamais vu. Ici, comme ça, là. Ah ouais, c'est trop cool. Permettait de... Je t'aurais pas expliqué comment ça marchait. mais... Ah bah, on est dedans, là. Non, mais c'était un truc pour... Ah, oh, laisse-moi terminer. Ça permettait de faire des trous. Mais... Non, mais... En forêt. Non, oui. Oui, il a eu un réel, mais non. Une perceuse et un forêt, et il a trouvé ça ouf. Pendant que ce temps-là, effectivement, dans l'atelier, on est tous à faire des trous et à percer et tout ça, et Joseph n'est pas au courant, a priori. Il était fou. Tu sais qu'on en fait plein ici, hein, des trous. Hein. On perce des trucs, des fois on soude. Voilà, des. Bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on essaye de répondre un maximum sur Instagram. On sera là vendredi prochain à 18h30. À quelle heure? 18h30. Sur la chaîne Twitch de la Fabrique Auto. À quelle heure? 18h30. Sur la chaîne Twitch de la Fabrique Auto. Mercurochrome. Le pansement des héros. Waouh. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont pas avoir cette ref, je pense, parce que c'est vieux. Désolé maintenant. Pour vous. Et bah, regardez. Mercurochrome sur YouTube. Parce que ça lavait le cerveau comme truc. Au passage, je crois que c'est depuis cette pub que c'est interdit de faire ça à la télé. Ouais. Si Juve va bien, Juve va mine aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce... Ouais, ne meurs pas tout de suite parce qu'il y a une voiture à remonter. Pardon, excusez-moi. Pas moi qui vais la remonter. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et sur un autre projet.
Et peut-être, peut-être dans le courant de la semaine, si on trouve un truc cool. Ouais, il faut qu'on ait des trucs cool à montrer. Parce que sinon... Alors le garage est rempli de trucs cool. Après, il y a toujours des délais externes. Il faut qu'on attende des pièces, faut qu'on machin. Après, il y a des trucs cool où il faut faire une vidange. Je sais pas si ça va être intéressant. Ouais, et puis il y a des trucs cool aussi qui sont super longs. Quoique après, je peux montrer comment moi je sais faire les vidanges. Non, il y a des trucs cool qui sont super longs. Alors quand Joseph fait une vidange, mais je sais pas, enfin, typiquement ce truc-là, remettre le moteur dans la bagnole, c'est super cool, hein, mais à filmer. Nul. Enfer. Alors déjà, il y aura des vides de plusieurs dizaines de minutes. Des trucs où tu es barré chercher une pièce, un machin, genre un joint qui est à ton box. Donc il faut aller chercher au box et... C'est avec la caméra, reporter dans la voiture. Nous sommes à la recherche de joints perdus. et puis ouais, c'est super long. Enfin, c'est vraiment long. Après... Et je sais pas si vous avez remarqué. Attends, faut faire de façon... Je sais pas si vous avez remarqué. Mais on essaye d'animer le Twitch tout le temps. Parce que voilà, vous ne venez pas pour regarder juste des gens qui bricolent de loin sans rien. Quoi. Donc du coup, on essaye d'animer le Twitch, d'avoir toujours un peu de contenu intéressant. Et ça fait que y a une grande sollicitation de pour nous. Hein. Et donc, c'est un peu fatigant. Quand on finit les Twitch, on est un peu crevé. Et après, en plus de ça, de gérer tous les angles de caméra, de machin, de trucs... Peut-être qu'un jour, on pourrait essayer de remonter un moteur en live. Possiblement de remonter un moteur en ayant tout préparé avant ça, il n'y a pas de problème. Ça pourrait être cool. Dites-nous si ça pourrait vous intéresser, ça. Démonter un moteur, peut-être aussi, si vous voulez. Là, il y a des B20 pour pièces. Il y en a un qu'il va falloir que je démonte entièrement. Pour le ranger et puis pour regarder quelle pièce je peux récupérer, dites-nous. N'hésitez pas à nous dire. Et on se revoit semaine prochaine au maximum. Ou plus tard, vendredi 18h30. Et sinon, peut-être avant, on vous préviendra sur les stories Instagram. Messieurs, dames, bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir interagi. Merci d'être tout gentil, tout mignon avec vous-même dans le chat, entre vous-même. Oui, parce que gentil avec soi-même, ça va. À bientôt, ciao ciao. Bonne soirée.